Comment ça va mes TLG? Tranquille ou quoi? J'espère que vous allez bien. Salut Enox, salut Yuri, salut Raki, salut Sirius, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une soirée après le prélude ou le pilote de la nouvelle série The White Man. On a l'épisode 1 ce soir, Indirect to the Direct. Tranquille ou quoi? Très très bien. Comment ça va les refs? J'espère que vous allez bien, que vous avez bien... travailler, vous êtes reposé, enfin vous avez fait ce que vous aviez à faire, si vous avez mangé ou si vous êtes en train de manger, bon appétit. Et en tout cas, on va démarrer la petite série de folie, petite par le début, mais tellement grande par l'avenir. Donc sincèrement, on a un groupe de malades, je le redis, c'est insane. Le gars, si vous voulez, parce qu'il est déjà prêt, il est déjà là, il est chaud, il sent bon le romarin et la braise, il va se faire bouffer par un ours surtout, je crois. Et j'espère que ça va, tranquille ou quoi Red Widow? Tranquille. Coucou tout le monde, petite question, j'ai pas suivi depuis 4 jours, il se passait quoi mon frérot? Fin de... Point d'exclamation GTA. Comme ça tu auras toutes les réponses. Je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il n'y a pas lieu de parler pendant 3 heures. J'ai fait un petit message qui explique les tenants, les aboutissants. Des personnes se disent déçues, d'autres ne comprennent pas ou quoi que ce soit. Ben, nous on comprend très bien, moi je suis là pour jouer, donc j'ai envie de jouer. Et ça change rien à ce que je pense des uns et des autres, c'est-à-dire que du bien. Et j'ai envie de kiffer. Empêchez-moi de kiffer. Voilà, je kiffais plus. C'est tout. Voilà, le groupe ne kiffait plus. On passe à autre chose. Point final, fin de l'histoire. Et on va pas en faire, si tu veux, des pâtes à caisse, parce qu'il n'y a pas lieu, déjà. Et que derrière, ben après, les pages se tournent, les histoires s'enchaînent, etc. Alors qu'on n'aime pas, les façons, pas les façons, les si, les là. Les gars, voilà, je pense qu'on est, assez grand pour faire ce qu'on a à faire. Vous me connaissez depuis le temps, je suis pas dans le manque de respect, je le ferai jamais, je m'en bats les couilles en fait. On est sur un jeu, on est sur un univers, tout ça. Après ce qui est des copains, ça reste les copains, ils comprennent tant mieux, ils comprennent pas, je peux rien faire pour eux. Voilà, donc du coup on va enchaîner et on va partir là-dessus tranquillamente. Voilà, allez c'est parti les refs, on est chaud, on est beau, on est là sur LGW avec le projet The Wild Man. Normalement, il y a les frérots qui doivent arriver. Putain, mais j'ai un couteau, moi. Ouais, regardez notre camp comme il est beau. J'aime trop notre camp. On suivra toujours... Non, mais de toute manière, les gars, comme je vous dis, que ce soit ici, ailleurs, LGW, AL, ça peut être demain un autre serveur GTA, ça peut être un autre serveur ci, un autre serveur là, même Scum ou je sais pas, j'aime tous les trucs. Moi, j'ai fait du RP Daisy, j'ai fait tout un tas, j'ai mis des milliers d'heures en RP, hein. Donc d'ailleurs, le seul truc, c'est que je veux pas m'emmerder dans ce que je fais. Si mes gars, ils suivent plus, je vais pas jouer tout seul. Et d'ailleurs, on fait ce qu'on a besoin de faire, comme on a envie de le faire. C'est tout. Et derrière, il n'y a pas de problème de ci, de là. C'est quand même, en général, serveur RP. Ouais, ça tue. Donc voilà, donc du coup, on est parti, les gars. C'est parti. Je sais même pas si je lève pas la cam et que je me fais... ma copine, tes streams, de façon de parler, tes... Mais tu sais, les histoires changent, les serveurs changent. Mais ton streamer, il change pas. Voilà, donc on est là. Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas... C'est qui, ça? C'est qui? Le prêtre, bordel. Ouais, c'est le prêtre. Tu veux que je te fasse avouer tes péchés, putain de merde? Ah non, le prêtre. Ouais. Alors, comment ça va? Ça va bien, toi, et toi, mon frère? Ça va très bien, mes frères. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'informations. On a bien bossé cet après-midi. Bah écoute, de notre côté aussi, je t'avoue que niveau dollar, c'est pas trop ça. J'ai quelques morceaux de viande là, tout ça, là. On a chassé tout à l'heure, j'ai juste un couteau et comment dire, mon lasso. Mais c'est un mais c'est bon début. Eh ben, c'est bien, la voilà. L'appui était ton couteau, le prêtre. Ah oui, amen. Comment on dit? Non, mais derrière, ça va pas nous empêcher de faire ce qu'il y a à faire, de toute manière, petit à petit, comment on dit. Ah oui, hein. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et du coup, les autres sont là? Ouais, ils vont arriver, je pense. Pas encore, le prêtre. D'accord. En tout cas, ce soir, on a donc un rendez-vous avec... vous m'avez informé, c'est... Salut, mon frère. Et mon frère. Comment c'est le groupe que vous avez vu, là, la famille? Dites-moi un petit peu. Moi j'ai vu les Douglas, mais je sais pas qui c'est, je crois que c'est... Ouais, moi j'ai vu un Douglas et j'ai vu la famille Dumont aussi. D'accord. C'est les Dumont qu'on doit voir alors. Les Dumont, tiens, ça sonne le vieux continent ça.
Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont à dire. En tout cas, on a les natifs qui habitent à côté. On a Wapiti à côté. Et ça a l'air quand même... ils ont des infos au niveau du cannabis, etc. On n'est pas trop pressé, on va commencer bien sûr. Parce qu'on a dit, essayer de faire de l'alcool de contrebande. D'ailleurs, il nous faudrait les... Là, c'est ça qu'il faut négocier ce soir. Essayer de trouver les positions de récolte, etc. Et ensuite, contacter... J'ai un contact de légumes, là, de vendeur de légumes qui vendrait des patates. Au lieu de les planter, nous, de perdre du temps. Ah, toi aussi ? Ok. Ouais. Yo, Tipeee, ça va quoi ? Coucou, Kenji. D'accord. Bon, bah déjà, on peut partir sur ça. C'est une bonne chose. J'aime trop quand on pose les bails comme ça. Moi, je travaille sur les Italiens un peu, là. Ok, moi je travaille du côté du pétrole, ça tourne assez bien et j'ai rencontré énormément de monde. Donc on était deux cet après-midi, c'était juste parfait et on a rencontré vraiment pas mal de monde, des Mexicains, etc. Et ça me fait graviter autour de Valentine. Ce qu'il faudrait, c'est que nos frères, certains partent à l'ouest, d'autres un petit peu plus à l'est et qu'on commence en fait à s'étaler. Et le but, si vous voulez... C'est que pendant qu'on prend toutes ces infos qu'on a notre petite vie civile, que les gens ne se méfient même pas, qu'ils comprennent pas trop, etc. Et jamais dire qui on est, pourquoi, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, je rappelais à notre frère cet après-midi, rappelez-vous d'où on vient, de ce fameux village du Montana, où toutes nos familles ont été tuées, égorgées, éventrées. Ouais. Regardez ce qui nous a unis. J'étais l'aîné parmi tous nos frères. Même si nous n'avons pas le même sang, à jamais nous avons fait le pacte du sang et de la mort qui nous laissera à vie cette trace et ce lien éternel. Nous avons grandi dans ce village tout seul, autodidacte, à bouffer, à devoir chasser, à devoir apprendre à lire, à écrire, mes frères. Et nous avons réussi. Nous sommes partis ici du Montana, chassés par ces pieux religieux. Par rapport à nos sacrifices et nos croyances, nous ne commettrons pas la même erreur. Ici, nous serons discrets et nous agirons dans l'ombre et dans la nuit. Yomika. Bon, voilà, les bails sont posés, je trouve que c'est génial. Ouais, tout à l'heure, quand j'ai croisé les Dumont, ils m'ont demandé, vous êtes qui ? J'ai dit, oh, on est une confrérie, on est beaucoup de frères. Ouais. On est vraiment une famille. Hein. C'est exactement ça. Vous êtes d'où ? On est un peu partout, on vagabonde à droite, à gauche. C'est très bien ça. Ça permettra de semer le doute dans les esprits. Ouais. J'ai fait parler pas mal de personnes. J'ai même un coup à boire avec une docteure de Valentine. Je vais être le plus agréable possible, comme vous me connaissez. Jusqu'à aller à notre but, mes frères. Un petit sacrifice. Oh, peut-être pas de suite. Mais ça viendra. On va attendre un peu. Ouais. Le sang coulera. Quand le besoin s'en ressentira. Ah oui. En tout cas, patience, frère. Oui, il reste encore à peu près 180 jours avant la nouvelle lune. Amen. Oui. Si je vous donnais les clés du coffre. Ah ouais, c'est vrai. Ça serait une bonne idée. J'avais oublié cette histoire. Oui. Ben moi, j'ai pas oublié parce que j'ai pas de thunes, j'ai pas à bouffer. Donc il va falloir quand même qu'on se bouge. Bah demain, si on veut se faire un peu de dollars, il y a le patron du tabac qui fait 4 cents les feuilles. Attends, dis-moi si c'est bon. Attends, double les prix. D'accord. C'est bon ? Bah je sais pas, je crois pas. Ah, vas-y dessus, regarde. Bah c'est bon pour moi. Point d'exclamation BG Kenji. Alors... Voilà, ah, mais il faut être vraiment à côté de moi, pardon. Vas-y, regarde maintenant, toi. Ouvre le coffre, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, tu peux, ok. Ouais. Ensuite, viens. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, donc ici, il faudra déposer, si vous avez l'occasion... Il y a des petits plats, 20 cents à prendre et compagnie en attendant, ou des morceaux de viande. D'ailleurs, je vais poser mes morceaux de viande et je repasserai. Et de la chasse, on la vendra et ça fera un petit pot commun, on mettra le pécule dedans. Ah ouais, ouais. Ok. De toute façon, avec là, j'en ai aussi des morceaux de viande. Bah, avec le froid qu'il fait, je vais pas te mentir. Ça devrait bien se conserver. C'est ça. Donc j'ai mis les pots.
J'ai mis ça. N'oubliez pas de vous approcher des arbres de Noël. Apparemment, il y a plein de petits cadeaux. J'ai volé une réglisse et une barbe à papa. Une barbe à papa. Oui, et une barbe à ton père. Ah ouais. Ah là là. Ça doit plus être très fraîche. Ouais. Pas faux. C'est bon pour vous. Vous voyez ce que j'ai mis à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis ouais, en train c'est de parfait. Bien le remplir. Là. Et comme ça, on pourra. Voilà, vous pouvez vous délester, etc. Le tout, c'est de pas. Voilà, si vous vendez, vous mettez l'argent dedans. Tout ce qu'on met à l'intérieur, ce sera pour mettre l'argent commun. Et d'ailleurs, les Dumont, ils m'ont donné ça. Regarde, ce serait pas une vieille recette, ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Fais sentir. Putain de merde, ça se rapproche de la nôtre. Ah ouais? Oui, je suis d'accord. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut voir les Dumont et savoir où se fournir. On a déjà trouvé l'alambic, ça, il faut pas leur dire. D'accord. Mais juste, on leur dit éventuellement de savoir où prendre. Moi, j'aimerais bien refaire la recette qu'on avait mise au point, qui marchait pas mal, qui était de l'acétone. J'entends quand même un bruit. Tu devrais sortir ton putain de fusil. Oh putain! Tu devrais sortir ton fusil. Ouais, je crois aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Oh putain! Ça arrive, sortez vos couteaux! Sortez vos couteaux! Sortez vos couteaux, ça arrive! Voilà! Allez! Oh. Attends, je vais dépasser. Ah, tu le dépasses? Vas-y. Ouais, c'est bon. Allez, mettez tout dans le coffre. Vous avez compris? Ça, c'est un signe. Je crois qu'il y en a qui vont pas être contents qu'on ait tiré. Oh putain, on a tiré juste à côté de Wapiti. Ça, ça va être là. Là, ça va être le feu, ça. Oh là 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 là! Privilégier peut-être les couteaux, hein? Ouais, je me doute. Parce qu'à côté de. À côté de Wapiti, ça va être. Vous avez pas été mordu? Non, du tout. Hey, comment tu vas, Muerte? Ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit gibier? Mais petit gibier pour petit chasse. Tu te mets dans le pion à toi. D'ailleurs, j'ai trouvé des bouteilles vides sur le marché. Ouais. À Saint-Denis. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a cette histoire de bouteilles. On en aura besoin pour mettre dans le whisky. Alors, je attendez. J'ai trouvé des personnes qui font ça, là. D'accord. Des personnes qui vendent du whisky, qui en fabriquent, et ils seraient intéressés pour le voir. D'accord. Et c'est qui, ces personnes? J'ai tout marqué dans un canupin, là, dans mon petit carnet. Ok, vas-y, dis-nous. Comme ça, ça nous permettra de pouvoir... J'allais dire, savoir ce qu'on va faire ce soir, surtout, et aller dans ton but. Moi, il faudrait aller voir les Wapiti. Ah ben, les Dumont, oui, c'est bon, on a le rendez-vous. Ah ben, force, mon gros. Ok. Donc, avant de voir les Dumont, ce qui serait peut-être tactique, ça serait d'aller voir les Wapiti à côté. On a une tribu juste à côté, c'est ça? On a une tribu pas loin, et je les ai rencontrés, et je peux dire que j'ai vu Petit Guerrier, qui travaillait avec nous au pétrole cet après-midi. Et le but, ça serait de savoir aussi ce qui se passe. Il plante, il m'a dit, des graines, il plante du cannabis. Et ça m'intéresserait. Parce qu'on pourrait faire du whisky et commencer peut-être petit à essayer de planter, à essayer de se faire un petit peu d'argent. Qu'en pensez-vous, mes frères? C'est un bon plan. Parce que au niveau de l'acétone, j'en ai trouvé, quand on travaille au niveau du pétrole, on peut récupérer de l'acétone. C'est pas un problème. Mais ça met un peu plus de temps, d'accord? C'est vrai. D'accord. Donc, mais on peut se démerder déjà. Les patates, on sait les trouver. Et les bouteilles de verre, tu m'as dit combien ils sont vendus, les bouteilles de verre? 20 centimes, il me semble. Putain. Unité. 20 cents, ouais. Il faut voir combien ça se vend, une bouteille. Ben, la bouteille que t'as. Ouais. Ben, tu sais ce que tu fais dès que tu vois un petit passant, là. Ouais, tu lui vends et... Ouais, et tu vois combien ça coûte. Voir si on se place là-dessus ou si directement, on n'essaie pas, je pense, de taper. Oui. Mais il va falloir, pour travailler la drogue, mon cher Muerte, il va falloir s'armer. Et pour s'armer, il va falloir commencer à charbonner. Si. Ouais. Ouais. Vous avez tous acheté le nécessaire pour ça? Ouais.
Ouais. Ok. Pas moi. Ok, c'est un dollar. Tu le trouveras en General Store, ouais. Ok, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, mais c'est parfait. Vous avez acheté des chevaux? Bah, oui. Non, ouais. Moi j'ai pas pris encore. Qui c'est qui avait un cheval en plus? Demain. Demain ouais. Bon, bah tu monteras avec nous. De toute manière, il va falloir le faire entraîner. On a tellement à faire, c'est génial. Il se trouve où le rendez-vous avec les... Bah, c'est ça, il se trouve où, il y a quelle heure? Alors ça. Bah, c'est qui qui a envoyé le télégramme? Allons consulter les télégrammes. Et je pense que ce sera mieux. Et laissez une petite note à nos frères qui nous rejoignent le télégramme juste à côté. Ton cheval, il est là-bas, hein. Ouais. Oui, alors regardez la selle de mon cheval. Attendez, n'appelez pas tous en même temps, faut jamais faire ça. Regardez. Oh. La selle. Ouais. C'est les selles spéciales et c'est la 14. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai un petit truc d'ours là. Ah, j'ai tout mis dans le fusil, moi perso. Ah, bah moi j'ai pas de fusil pour l'instant, mais c'est vrai que. C'est bon, tout le monde a un cheval? Tout le monde suit? Ouais, on est là. Merci Carnicho, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement consécutif. Merci mon ref, merci beaucoup. Allez mes frères, allons-y. Oh, j'aime trop notre histoire. Dio Fabio, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Bien ou bien? Sortez les... Si jamais il y a des loups, si jamais il y a des loups. Si jamais il y a des loups, équipez-vous de vos couteaux. Parce qu'ils ont une tradition qu'il faut pas tirer sur les terres sacrées, etc. Histoire de, pour l'instant, pas se faire remarquer. Alors, pommes de terre. Ah. Je me présente, monsieur Albert Wattier, producteur de fruits et légumes. Je vous écris par le billet, nanana. D'accord. Qu'est-ce que je lui réponds? Avoir guerrier là-bas. Réponse Maggie, il s'appelle Albert, ok, et j'ai mon frère aussi qui m'a contacté à faire la lame, ok. Blackwater, bon, il faudrait voir. Où sont les guerriers? Là, côté là, non? Bonjour à vous, guerriers. Guerriers, bonjour à vous, salutations. Vous me voyez? Bonjour. Guerrier, je suis en train de vous parler. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ah bien, très bien. À qui avons-nous affaire? Wakita. Et nous. Enchanté. Will. Will Montana. Will Montana, enchanté. Enchanté également. Dites-moi un petit peu voir. J'ai cru comprendre que non loin sur ma carte il y avait un village nommé Wapiti et j'ai rencontré cet après-midi un certain petit guerrier avec qui nous avons conversé. Il était d'ailleurs avec une petite guerrière et il m'a convié éventuellement à parler, etc. Comme je vous vois sur les terres sacrées, d'après ce que je comprends et de ce qu'il m'a expliqué. Je souhaitais justement m'entretenir avec, je sais pas, les responsables, les chefs, je ne sais point comment vous les nommez, de Wapiti pour parler avec vous, car nous avons un camp non loin aussi. Très bien. Écoutez, prenez vos Tasunka et suivez-nous. Tasunka. Oh, vos bêtes. Très bien. Allez, prenez les chevaux, les frères. Il a la voix, il a un mode codeur ou quoi? Yo Casta, j'aime trop le nouveau perso, mais il est insane. Merci Alex pour ton 4e mois d'abonnement. Allez, monte avec moi si tu veux. Et je refais passer le mot. On nous a dit pas d'armes à feu ici. Donc vous ne sortez pas d'armes à feu. S'il y a des loups ou quoi que ce soit, on essaie d'esquiver. Très bien? Ok. Bien prêt. Ça me rappelle la fraîcheur du Montana par ici. Allez. Ouais. Coucou les cigales. Ça va ou quoi?
putain, je sens qu'on va se faire pull up. On va se faire pull up, mon gros. Ça va, ça va. On repasse sur, sur Red Dead, sur LJW. Ça te rappelle rien, ces montagnes? Ça vous rappelle rien, les frères? C'est chez nous. Incroyable. On dirait qu'on n'a pas bougé du Montana. Il y a une copie, ouais. Ouais. Ouah. Profitez, mes frères, de ce que vous offre la nature. Pour l'instant, je les amadou. Ils vont me poule, frère. Reste là, je vais prévenir... Très bien. Chaman. Elle est incroyable ta voix. Merci Toto. Attention mes frères. Évitez de... d'évoquer les esprits que nous entendons. Hein? D'accord, d'accord. Ouais, hein? C'est un touriste. Ça arrive. C'est pas bien grave. Et s'ils me parlent, les esprits? Ils vont même te parler quand je vais te foutre mon poing dans la gueule. C'est bon, tu as ta réponse? Ça, je crois que c'est bon. Ça, c'est fait. Voilà. Je vais fermer mes oreilles. Voilà. Mais des cotons. Parce qu'il... j'ai rencontré aussi l'adjoint au maire de Saint-Denis. Il me disait qu'il y avait une entreprise de coton aussi. Donc ce serait pas mal d'y travailler une ou deux journées, histoire de voir. Je pense que ça fait... Ouais, j'ai croisé quelqu'un aussi, il m'a dit qu'il y a un patron normalement là, qui devrait le reprendre d'ici un ou deux jours. Et apparemment au pétrole aussi. Si le pétrole, il a un patron qui l'embauche, ouf. Parce que pour le coup... C'est une mine d'or, c'est ça? Ah, c'est pas mal, c'est du pétrole en même temps, c'est logique. Pas comme si on ramassait, tu vois, d'autres choses. Ouais, du foin. Voilà, c'est ça. J'ai entendu, moi, la voix, on dirait un truc de vodocodeur, non? Et ça fait comme ça. Je suis ton père. Et il fait froid, il caille. Non, ça faisait un peu comme ça. Ah, c'est vrai. Et très froid. On n'a pas de tenue adaptée, là. Oh, disons que moi, avec ce que j'ai dessous, n'oubliez pas la veste avec quoi je l'ai fait, comme j'ai dit. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais qui sont c'était passés. Avec un croco ou... Non, c'était avec de la peau humaine. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais. Oh. J'ai comme l'impression qu'on nous fait patienter un petit peu trop, non? Ouais, je sais pas. Qu'ils préparent je le sens pas, moi. Ah, de toute manière, on a rien à prendre. Là, ils peuvent me voler des pattes. Ouais, c'est vrai. Ça me ferait chier de perdre mon fusil, déjà. Ouais, mais tu sais, comme on dit, je te garantis, mon frère. Un fusil perdu, 10 de retrouver. C'est vrai, c'est vrai. Mais crois-moi. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Pour l'instant, on y va tout doux. Bonsoir. Oh, guerrier. Bonsoir, guerrier. Bonsoir. Qui êtes-vous? Sœur. Je me présente. Will Montana. Et voici mes frères. Nous venons d'arriver justement du comté du Montana, dont je porte le nom. S'il vous plaît. Il y en a un, s'il vous plaît. Dernière fois. Juste. Donc, je disais, je viens du Montana, et pour la petite histoire, donc avec mes frères, on est venus ici simplement, ben vous savez, on est un peu des nomades, on voyage, etc. Et nous avons établi un campement non loin d'ici, on tenait... Suite à la rencontre que nous avons fait avec petits guerriers et petites guerrières cet après-midi au niveau du pétrole, puisqu'ils avaient une punition apparemment des shérifs à faire, nous tenions à nous présenter, histoire que d'être courtois avec vous et dans le plus grand respect, puisque on nous a signifié des terres sacrées, etc. Et nous souhaitons vivre en harmonie avec cela et non pas aller à votre rencontre, messieurs, dames. Être très honorable de vouloir avoir parole de sage, oui. Maintenant... Vous savoir qu'être sur terre sacrée, puisque l'avoir dit juste avant. Petit guerrier nous a signifié effectivement qu'il y avait des grandes terres sacrées au niveau de Wapiti. Tout être à fait. Ça, oui. Pouvoir parler avec vous alors qu'y être chef de tribu, si j'ai bien compris.
Oh, on va dire que je suis l'aîné. Très bien. Alors, pouvoir avoir deux personnes qui rentraient dans le camp, oui, pour discuter, oui. Très bien, alors c'est les deux personnes de mon cheval. Allez, descends derrière moi, on y va. Très bien. Je suis là de voir du monde qui est resté ici. Oui, vouloir peut-être que si tribu Kiowa pouvoir rester ici. Kiowa, remercier, oui. On rentre pas dans le camp. Pouvoir me suivre. Les Wakila, très bien, je suis. Rentrer aussi. Coucou Audrey. D'abord être là. Me présenter. Être Sheila, oui. Enchanté. Être guide de Wapiti, oui. Très bien, guerrier. C'est comme ça qu'on vous nomme, apparemment, puisqu'ils m'ont appelé guerrier toute l'après-midi, et je ne souhaiterais pas vous manquer de respect. Oui, guerrier, être comme ça, oui, parce que avoir déjà combattu, oui, pour défendre honneur natif. Très bien. Mais Sheila, être très bien, oui. Ou être Oyate. Être rare, et ne pas beaucoup aimer quand... Excusez-moi du terme, ne pas vous manquer de respect, oui. Quand on visage pâle venir dans le camp, oui. Oh, vous savez, effectivement, nous avons un visage pâle, mais vous savez, le cœur n'a pas de couleur. Donc, il faut laisser parler celui-ci. Oui, maintenant... C'est aussi cool. Être nouvelle famille qui est arrivée et qui vouloir venir se présenter, oui. Hein? Ne pas t'en faire, avoir les choses en main, oui. Avoir frère Kiowa, vous qui êtes devant, en train de surveiller ce qui se passait avec autre frère à eux, oui. Bon, qu'êtes venu faire donc ici? Quel est votre but principal? À part présenter, oui. Avoir dit que vous habitez pas loin. Notre but, effectivement, nos habitants, si vous descendez au niveau du télégramme et que vous prenez sur la gauche en remontant dans les collines, nous avons installé notre campement juste à côté. Pouvoir m'indiquer un peu plus précisément sur carte, oui. Très bien, alors attendez, je prends ma carte. Vous voyez le jet de Grizzly? Oui, le voir. Juste au-dessus, il y a une boucle. Oui. Nous sommes dans cette zone. Très bien. Bon, être un peu plus rassurant, oui. Parce que comment vous dire que terre revendiquée par natif, oui. Être les terres qui, au final, démarrent de Wapiti, mais ne vont pas dans votre direction, partent dans l'ouest. Écoutez, de toute manière, nous ne sommes pas là pour offenser qui que ce soit ou prendre les terres de quelqu'un. Nous sommes installés, comme je vous ai dit, nous sommes des vagabonds. Il se peut que d'ici un mois, deux mois, nous soyons encore ailleurs. Mais au moins, vous savez notre présence et vous savez que nous ne commettrons pas d'offense, en tout cas. Envers vous ou votre peuple, nous nous occuperons de nos affaires et nous amènerons certainement pas tout ce qui est homme de loi et compagnie. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. On leur veut pas de mal, on leur veut pas de bien. On veut s'occuper de nous. Nous sommes des travailleurs. Nous travaillons à peu près dans tous les comtés, puisque toute la journée, nous sommes éparpillés un peu de partout. Et puis, on cherche à faire des petites affaires. On cherche à faire de l'argent, à s'équiper, petit à petit. Je pense comme tout un chacun a un but dans la vie. Vous, le vôtre, semble honorable. Ben, j'ai envie de dire que le nôtre, pour nous, l'est aussi. Pouvoir comprendre, oui. Maintenant, être très simple, avoir plusieurs règles, oui, quand vous devoir passer dans nos terres, oui. Chasse être interdite, qu'elle soit au bâton de feu, ou qu'elle soit à l'arc, oui, pour tout Wasiku, ou même natif, respecté. Parce que simplement vous expliquer quelque chose, si vous pouvoir le comprendre, et vous semblez être intelligent pour pouvoir le comprendre, oui, c'est que terre sacrée, être comme cimetière, comme vous appelez ça, oui. Très bien. Et... Donc, ne pas apprécier si moi aller dans vos cimetières, passer sur vos tombes et chasser l'animal qui passait dessus. Vous voulez dire profaner, très bien. Vous savez quoi, comment on m'appelle, monsieur? On m'appelle le prêtre. J'ai beaucoup de principes, même si je ne suis pas un religieux. Donc, à partir de là, je pense que... On peut partir, j'allais dire, sur la même... Sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire je vous respecte et vous me respectez. Comme j'ai dit, j'ai croisé tout à l'heure une personne de votre peuple qui chassait juste à côté de chez nous. On l'a laissé faire, on n'a rien dit, il est passé vraiment dans nos camps. Au contraire, on est allé à sa rencontre, parler avec lui. Oui, lui ne peut peut-être pas savoir. Et puis même demain, lui offrir à manger ou à boire alors que nous nous festoyons, je n'y vois pas d'inconvénient non plus. Je ne dis pas faire des fêtes communes. Mais nous savons offrir le gîte aux personnes qui sont de passage. Vous savez,
On a beaucoup voyagé, je vous ai dit, on est des vagabonds. Et depuis le Montana, nous avons fait quelques haltes et nous avons été reçus par des peuples. Le comprendre, oui. Maintenant, pas vous le cacher, être honnête avec vous. Semblez avoir de bonnes paroles, sages, oui. Mais ne pas vous le cacher que beaucoup de natifs avoir vécu mauvaise chose avec Wasiku. Wasiku être visage pâle. Ne pas être insulte. Mais juste savoir que beaucoup de natifs ne pas faire confiance à visage pâle et s'en méfier beaucoup. Être pour ça que être gentil de ce que vous avoir dit avec pouvoir donner à manger peut-être à natif, mais oui. Ne pas être obligation parce que savoir que même nous permettre de chasser à côté de chez eux. Oui oui. Maintenant moi vous le dire et ne pas vouloir être offensant, mais ne peut-être pas être le cas de tous les natifs oui. Écoutez, de toute manière, quelque natif que ce soit, ou quelque américain, ou quelque mexicain que ce soit, ou quelque autre nationalité que nous avons pu rencontrer ce jour, notamment au pétrole, beaucoup de nationalités, cet après-midi avec petit guerrier avec qui nous avons discuté, il pourra vous en témoigner. Mm-hmm. J'en ai strictement, mais vraiment, rien à faire. Mon camp, il est fait pour dormir, pour me réunir avec ma famille, pour manger, se raconter nos journées, et vous ne verrez pas traîner dans le coin, à part pour se réunir. Bien sûr, je souhaite que ce lieu, je préférais me présenter plutôt que vous le découvriez, que ce lieu reste un lieu, j'allais dire, préservé. Ne pas dire aux personnes où on habite, etc. Je n'en vois pas l'intérêt, déjà d'un. Et puis de deux, nous savons aussi être, comment dire, protecteurs de notre famille. À comprendre, oui. Après, pour tout ce qui concerne, donc vous, natifs, je n'ai aucun grief, je n'ai aucune mauvaise pensée, que chacun fasse sa vie, tout se portera bien. Vous m'avez dit, vous voulez pas de tir, vous voulez pas de truc au niveau du campement, il n'y a pas de souci. Maintenant, je me fais attaquer comme tout à l'heure par des loups ou quoi que ce soit. Être différent, oui. Être différent. Là, on maintenant, appelle ça de la avoir solution, oui, si pouvoir vous le dire, avoir solution. Avoir arc, qui faire être plus honorable, oui, pour si devoir tuer, pour se défendre. Oh, je l'ai tué au couteau. Vous savez, je n'ai pas d'argent pour me payer une arme, en tout cas pour le moment, et je ne vais pas gaspiller des balles sur un animal qui vit chez lui dans la nature. Savoir qu'animal, si être tué avec balles, si vous aimez manger plomb, être problématique. Oh, de toute façon, je ne mange pas les loups, monsieur. Je suis vraiment désolé, mais je pense que c'est un mets réservé, je pense, à des personnes qui le méritent. Nous, on mange de la biche et des lapins. Voilà. Et des pâtes. Maintenant, et du pain. C'est pas faux. Être utile, cool. Être une famille qui est arrivée il y a peu sur dans le pays. Oui, le Montana. Et on vient du Montana. D'accord, être Naba. Enchanté, monsieur. Vous présentez Naba, être tribu Kiowa, oui, chef de tribu Kiowa, être grand guerrier avec sa tribu, oui. Très bien. Moi, je tenais à vous dire, en tout cas, vous savez où nous sommes. Si vous avez un doute, vous avez un problème, vous pouvez venir me trouver. En tout cas, c'est pas nous qui causerons quoi que ce soit envers votre peuple. Être parole entendue, oui. Voilà. Et faire passer message à tout natif de Wapiti, oui. Que avoir campement à vous et que éviter de passer par là, oui. Pour ne pas éviter, embêter. Ils veulent passer. Ça me dérange vraiment pas. Au-dessus du jet de Grizzly. Oui. De Grizzly dans la petite boucle. À l'est de notre camp. Voilà. Un peu plus bas. Donc je peux vous dire que ça me dérange aucunement que les personnes passent, etc. Bon, me faire espionner, ça me dérange un petit peu, mais si les personnes passent et viennent nous saluer, je n'y vois aucun inconvénient. Ah, les guerriers, vous êtes installés après la rivière ou avant la rivière? Oula, vous me reposez une question, il faut vraiment que je regarde ma carte. Après la rivière. Alternative. Pas du côté de Valentin. Au-dessus du jet de Grizzly East, il y a une petite boucle, il y a le chemin de fer, il y a une petite boucle. Regardez la carte là. Voilà. Celle-ci. Vous voyez Grizzly? D'accord. Juste la petite boucle, on est là-dedans. Sur notre terre. Oh, mais ça fait rien. Je pense que nous sommes en proximité. Je disais, j'ai vu un natif chasser tout à l'heure. On a parlé avec. J'ai cet après-midi travaillé sur le pétrole et il y avait... petit guerrier qui était puni par les shérifs, qui travaillait aussi. Nous avons conversé. Et c'était la moindre des choses de venir vers vous ce soir. Au moins, les choses sont claires. Voyez qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y en aura pas. Je ne suis pas là pour attaquer des natifs. Je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit.
Je vous dis, je suis de passage, je suis un vagabond avec mes frères, on fait notre argent, on part. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse. Oui. Très fortement. Je parlais avec Petit Guerrier qui me disait qu'il avait la main verte et qu'il faisait des plantations. Ah, oui. Ah bon? Et je lui ai dit, tu sais de procurer justement ces petits trucs, parce que je vous dis la vérité, mon grand âge, vous savez, 41 printemps, bah, je commence à avoir des mal dans les articulations. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pour coutume, j'allais dire, de consommer de façon à pouvoir me relaxer un petit peu. Et c'est vrai que j'ai la main verte. Aussi. Dans ce cas-là, pouvoir peut-être en parler avec, Guerrier ici présent, oui, si lui le vouloir. Mais avant de vous laisser parler de ça, oui. Bien sûr. Pouvoir avoir votre numéro de petit papier, oui, afin de pouvoir vous contacter si besoin. Et vous peut-être prendre le mien, être mieux. Oui. Parce que vous assurez que, comme vous l'avoir dit, Natif se méfiait beaucoup de Wasikou. Et quand voir Wasikou devant quand petit papier, être T A 7 2 3. Être T ou P? T, comme il l'a dit tout à l'heure, Tasunka, je crois. Être TA 7 2 3. Être bon, être noté, oui. Voilà. Pouvoir prendre le mien si vous avoir de quoi noter ou oui, bien sûr, allez-y. Être VW 468 et être Shilaoui. Et vous appelez comment les guerriers? Être famille Montana, oui. Je peux pas te parler à toi, Kit. Oh, je m'appelle Will, bon. Will Montana. Mon frère, donne ton nom. Et moi, c'est Thomas Milner. D'accord. Être famille alors? Oh, on est une grande et belle famille. Vous avez le reste en bas de votre camp qui attendent patiemment, et comme j'ai dit, on est des vagabonds, on est unis depuis tout petit, un même malheur nous a unis, et depuis, nous traversons les comtés, nous traversons les années, pour ceux qui survivent. Yo Raga, yo Spirit, ça va ou quoi? Écoutez, très bien. Faites pas de problème, c'est pas les Kiowa qui vous feront des problèmes, les gars. On n'est pas là pour faire des problèmes, monsieur. Oh non. On est là pour faire notre argent, pour faire notre business, trouver justement des business, et puis à partir de là, vous savez, les problèmes, généralement, c'est eux qui viennent à nous, et non pas le contraire. Non, rien de cherché, avoir déjà entendu ça quelque part, oui. N'est-ce pas, Naba? Aïe. Et en tout cas, si vous voulez faire des petits papiers verts et que vous aimez bien les petites fleurs vertes, vous pouvez venir me voir, les gars. Très bien, c'est-à-dire... Préférez vous laisser parler de ça. Très bien. Sans être présent, oui. En tout cas, être honorable d'être venu nous voir, oui, et de vous être présenté. Je vous remercie pour votre accueil, messieurs les natifs, et à vous et votre peuple. Nous allons redescendre, et si vous voulez nous accompagner, de façon à discuter de cela, par respect, en dehors du camp de Wapiti, si vous le désirez, comme à votre guise. Oui, je vais venir avec toi, guerrier. Très bien. Merci pour votre accueil encore une fois. Avec plaisir, oui. Et merci beaucoup. Et puissent vos esprits et vos croyances vous apporter le meilleur et vous conserver. Toulou à vous. Toulou, allez, voyager cœur léger, oui. Pour l'instant, je pose, parce que sinon, si tu lâches pas comme ça, tu te fais péter de partout. Pour l'instant. Yo Warouk, ça va ou quoi? C'est énorme. Je kiffe notre histoire. Mais de ouf. Belle parole, mon frère. Ah, tu sais, ça vient toujours du cœur. Guerrier. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Vous voulez qu'on aille avec vos autres frères? Oui, pourquoi pas. Allez. Avec plaisir. Comment vous nommez-vous? Tribu Kiowa. Très bien. Ben, messieurs de la tribu Kiowa, on vous suit. J'allais dire Kinoa. On fait une petite présentation avec tes guerriers. Très bien. Très bien, ça oui. Très fier de vous, les guerriers. Pour les arcs et tout ça, lui en a pas besoin. Ok. Écartez-vous, les guerriers. Merci, messieurs. Je suis là, pas être là. Juste pour déjà vous donner l'info, tout s'est, j'allais dire, très bien passé. Des personnes fort accueillantes, comme le disait Petit Guerrier. Donc nous allons maintenant discuter à présent de la suite, c'est-à-dire que Petit Guerrier... Celui qui est en face de moi, c'est un de votre famille. En face de vous, c'est qui? C'est moi? Là? Non, celui qui est derrière toi, guerrier. Oui, être de ma famille. Ouais. D'accord, pas être un diable rouge. Ah, lui, pas être un diable rouge. Je sais pas pourquoi, diable ou pas diable. C'est vraiment désagréable, stop. C'est pas moi. Donc, comme je disais, il s'appelle Muerte.
Nous sommes tous des frères avec, j'allais dire, nos particularités. Nos liens se sont formés dans le sang. Et malheureusement, via un drame. Mais nous étions jeunes et depuis, nous vagabondons tous ensemble. D'accord. C'est ça. Écoute, nous, on est la tribu Kiowa. Très bien. On est arrivé sur ces terres il y a peu. Il y a des guerriers qui étaient coincés dans les terres de glace à cause de grosses tombées de poudre blanche, oui. Maintenant, on est tous là. Il y en a avoir certains qui étaient ici, qui nous avoir rejoints. Oui. Ah bah oui, ils sont comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites pas de problème, on vous fera pas de problème. Après, je crois qu'ici, il y a des guerriers qui n'ont pas vraiment besoin d'écouter ce qu'on a à se dire. Donc si tu veux, on va aller parler un tout petit peu plus loin, guerrier. Très bien, je suis votre homme, je vous suis. Ah, viens, on va parler tous les deux. Putain, je savais même plus que c'était qui me parlait. Il va y avoir des natifs qui pètent de ma tribu. Oui, oui. D'accord. Pas vouloir... Je comprends, bien sûr. Oui, juste, si je voulais vous dire, petit guerrier Wessiku... Alors, si tu veux dire, tu cherches les fleurs vertes. Oui, disons que on aimerait pouvoir se faire un petit peu d'argent et commencer à travailler, j'allais dire, petit à petit. On n'a pas de grosses prétentions. Voilà, on pourrait se carter encore un peu. Ah, parce que, ouf. Comme je disais, on n'a pas des grosses prétentions. Déjà, on a une petite recette à nous pour faire, j'allais dire, de l'alcool, etc. Donc, on va en faire. Petit à petit, maintenant, il me manque... J'ai trouvé de l'acétone au niveau de... du pétrole. Au niveau du run du pétrole de travail. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des informations, des trucs comme ça. J'irai les chercher, j'irai négocier, faire ce qu'il faut pour essayer de trouver ça. Parce que c'est vrai que c'est un gage de qualité de notre famille, de festoyer autour d'un bon whisky fait maison. D'accord, ça je comprends, guerrier, mais... Pour le deux-feux, en tout cas, être compliqué pour moi de t'aider. Je comprends, mais je vous donne vraiment mes intentions les plus brutes et primaires, de façon à ce que vous compreniez nos recherches. Et d'accord. Ensuite, effectivement, au niveau de ce qu'on appelle nous le cannabis, bah, c'est quelque chose, comme j'ai dit, par rapport à mon âge et par rapport un peu à ma famille, on est des consommateurs et on aime bien produire. Et dans le Montana, on avait quelques champs. D'accord. Du coup, tu savoir où te fournir... Je n'ai aucune information. Et d'ailleurs, Petit Guerrier a eu le respect de dire, justement, je ne vous donnerai pas d'informations puisque ce n'est pas mon rôle. Et il a parlé. Et derrière, il est resté très courtois tout de même et très aguerri vis-à-vis de sa tribu. Si tu voulais pouvoir te vendre l'information, guerrier. Très bien. À combien cela se chiffre-t-il ? Vous êtes combien dans ta famille ? Il me semble 11. Sans papier vert, ça te semble correct ? Sans papier vert, très bien. Aïe. Très bien. Je vais voir un petit peu, vous permettez que je demande un petit peu à ma famille, histoire de ne pas faire traîner, si, voir s'ils ont... On va voir. Tu peux me donner ta réponse après, hein, Gary. Ouais, je vais voir directement avec eux. Écoutez, moi, je vais pas tergiverser pendant des heures, je connais pas... les prix que ça coûte, etc. Je vais voir si ça intéresse mes frères. Si ça intéresse mes frères, je reviens vers vous. Et si ça intéresse pas, je reviens vers vous aussi. Je vous dis ça. J'arrive. Attends, guerrier. Ah, bah, c'est bien. Tu vois, il me donne pas l'info, il avance et tout. C'est ça. Dites-moi, mes frères. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez de quoi réunir 100$ entre tous ? Je pense. Bah, il faudrait me les donner si vous les avez. Moi j'ai 10. Moi j'ai 2. Bah moi j'ai que 20. Mais je pense que ça va nous servir beaucoup, hein. Donc. Faut pas hésiter là. Je connais un qui peut lâcher la monnaie. Alors mais mettez à terre éventuellement même, hein. Comme ça je ramasse. Mettez à terre, ouais, ça va être plus simple. Ouais, c'est putain, ça. Moi c'est à la banque, bordel. Oh, mais voir combien on a, écoute. Attends, on va voir, hein. De toute façon, je vais prendre tout ce que j'ai aussi. Je crois que j'ai 7. Ok. Ah, j'ai pensé. Ok. Ça fait 27. Ok. Oh, oh pardon. Ça fait 47. Si je dis pas de conneries. Ouais. Merde. Ah non, ça fait moins. Ça fait. On est à 43.
je crois que je t'ai donné mes billets. Qui, moi? Non, mais j'ai plus de dollars, moi. Non, tu m'as rien donné. Si, si, essaye, regarde dans tes poches. Ah ouais, tu m'as donné. Alors, hop. 10 dollars. Pose-les par terre directement. Là, on est à 53, 58, mais... 59. Très bien. Tiens, j'ai donné quelqu'un les billets, sans faire exprès. Pose-les par terre, c'est pour ça qu'on a dû les poser par terre, n'hésitez pas. Ouais, mais... Je sais pas c'est à qui donner. Regardez vos postes. Je sais pas c'est lui qui a donné les billets. On est à 74, il manque 25. Moi, là, posez y a, encore. Là, il y a 4. Là, là, okay. Y a 4 dollars. Putain, on va pas y arriver. Alors, hop. On est à 78. Il nous manque 22. Là, dans la poche, du coup. Qui s'est mis là, le prêtre, je viens de mettre encore. Attends, il y a quelque chose là par terre, non? Oui, oui. Où? Là, là okay. Le prêtre, là où je suis. Il est Wookie, là, j'ai avoir question pour vous. Comment ça fait le prêtre? Bah là, on est à 80. Viens ici, ici, le prêtre. Tiens. Vas-y. Je vais te donner ce que j'ai. Mais il nous manque 20, si vous avez, c'est le top. Et, si, j'ai, et on se refait. Hein. Après, il faudra se refaire, mais... Voilà, je te donne tout ce que j'ai. Hop, voilà. C'est bon? Oui, il manque encore un peu. C'est bon. C'est bon. Là, on est à 100,40 cents. Okay. Rigolo, beaucoup billets. Allez. Lico, excusez-moi pour l'attente, mais on a juste ce qu'il faut. Donc, dans la vente que vous nous feriez, ça contiendrait quoi? Donc, l'endroit et les possibilités qu'on a, c'est ça? Comme vous m'expliquez, en fait, le tout? Être ça. Si je fais ça, guerrier, être... Yuros. Toi. Très bien. C'est te faire tes petits papiers verts. Te demander juste une chose. Te laisser faire ton herbe. Mm-hmm. Pas être problème pour Naba. Si toi, pas faire de problème. Si toi, avoir cœur pur. Être guerrier honorable. Naba, jamais te faire de problème. Tu pouvoir faire toute l'herbe sacrée que tu vouloir. Pas être un problème. Rien te demander. Juste pas devoir embêter Naba ou Kiroua qui faire aussi. Être seule chose que je te demande des guerriers. Très bien. On va après, partir sur ça. Te dire la suite aussi, guerrier, laisse-moi finir. Oui. Si jamais je vois que toi et tes guerriers, vous travaillez correctement. Oui. Je t'expliquerai comment changer tes dollars en dollars. Je te ferai payer, guerrier. Bien sûr, je vois. Mais je connaîtrai plusieurs endroits. Très bien. Mais je vois que vous êtes un guerrier averti, avec pas mal de connaissances, ça me plaît. Là-bas, avoir retenu quelque chose, un guerrier avoir dit, devoir s'adapter, oui. S'adapter. Être l'habitude pour là-bas, mais... On s'adapte tous un peu, quelles que soient nos origines. On peut changer, oui. Tout à fait. Mais écoutez, tenez. Puisqu'on passe sur une base de confiance, voici... D'accord. Entre les sans-papiers verts. Oui. Très simple. Tu connais petite île qui s'appelle Guarma, guerrier? Du tout. D'accord. Tu vas avoir deux manières d'y aller. Très bien. Tu connais être ville puante? Ville puante, ça doit être... Saint-Denis, oui, 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 j'y étais tout à l'heure. Voilà. En effet. Bah, tu vas sur les quais. Ouais. Je vais t'expliquer quand même correctement. Tu vas sur les quais, ouais. À côté du petit papier. Oui, d'accord. Pas loin du petit papier, oui. Mm-hmm. Tu vas voir bateau, bon, de toute manière, tu regardes si tu pas trouves. Très bien. Tu chercheras, mais tu vas voir un petit bateau qui te permet d'aller sur petite île où il fait très chaud. Oui. Là-bas, pas y avoir de petite poudre blanche, oui. Là-bas, bien aimé, aller là-bas. Oh, d'accord. Là-bas, tu n'as pas petite graine, guerrier. D'accord. Par contre, te prévenir, guerrier. Là-bas, pas très dur de trouver les graines. Tu trouveras d'autres graines que la petite fleur verte. Te conseiller, guerrier, de t'occuper de ce que tu me parlais d'abord. Commencer. Oh oui, 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 je vois très bien, oui. Seulement parce qu'il y a avoir des familles qui être agressives, oui. Je comprends. Te faire du mal s'ils te voient sur leurs graines. Mm-hmm. Après, te prévenir. Y avoir Spagnola, Diable Rouge, qui travaillait sur petite herbe verte et qui voulait avoir le contrôle de l'herbe verte. Te laisser voir ça avec eux, Naba. Oui.
assez encore, mais avoir déjà des problèmes avec eux. Oh, vous avez bien vu, nous ne sommes pas armés, on n'est pas très agressifs, on essaye de se défendre comme on peut et de pouvoir surtout, j'allais dire, pouvoir prospérer un petit peu. On n'a pas de grandes prétentions, mais au moins pouvoir survivre, se payer de quoi manger et puis soigner nos chevaux. D'accord. Oh, le menteur. Dans tous les cas, Naba préférait te laisser faire de la petite herbe sacrée. Mm-hmm. Plutôt que toi, tuer tous les animaux pour vendre peau. Tu comprends, guerrier ? Bien sûr. Bon, en tout cas, quand tu es arrivé sur cette île, tu vas arriver, c'est être... comment vous appelez ça ? Chose en bois, tu sais, au-dessus de le ponton, oui. Oui. Très ponton. Quand tu avances à ponton, tu vas aller tout droit, y avoir un petit village sur cette île. Y avoir un endroit pour te changer, un tailleur, oui, vous appelez. Mm-hmm. Derrière ce tailleur, y avoir des champs de maïs. D'accord. Dans à côté champs, du tailleur, champ de maïs, très bien. Oui, dans ces champs, tu trouveras petites graines. Très bien. Et te laisser chercher un peu. Normal. Lorsque tu trouveras. Ah, écoute, guerrier, déjà, je pense que tu... J'ai amorti largement donc, ce truc. Et pour traverser, je suppose qu'il faut... Il faut payer. Combien cela coûte ? Alors, être 5 papiers verts ou être un ticket. D'accord. Y avoir des guerriers qui vendent des tickets. Si tu me montrais que tu travailles bien avec ta famille, te montrer où pouvoir faire. Où pouvoir échanger les petits papiers que tu vas avoir contre des papiers verts. Très bien. Et aussi te présenter les personnes qui pourront te vendre des tickets guerriers. D'accord. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on est bien parti, vous me tendez la main, je vois que vous êtes réglo, je suis réglo de mon côté, tout est carré. Bon, ben, il me semble, guerrier, que j'ai les informations que je suis venu chercher, en plus du respect de vos guerriers et de Wapiti, gardien des terres sacrées. À partir de là, je vais vous laisser ici et continuer mon chemin. Ouais, j'ai le cœur léger, guerrier. Être content d'avoir fait affaire avec toi, oui. Très bien. Plaisir partagé, monsieur. Être comment, le nom de ta famille, Montana ? Oh, je m'appelle Will Montana. Chacun a son nom. D'accord. Et on vous appelle comment ? Vous n'avez pas un nom de groupe ou de famille ? Oh. Vous ne pouvez pas que vous nous donnez un nom pour nous, qu'on vous appelle... Appelez-nous pour l'instant. La famille Montana, être bon pour vous. Appelez-nous les Montana pour l'instant. D'accord. Ça se fera largement. En tout cas, les Montana, j'espère vous creuser et faire attention à vous. Et. Vous souhaitez de faire plein de petits papiers verts, oui. Merci. Allez, mes frères. La main, guerrier. La bouche de. La buena, c'est le dit, j'en peux plus. Il y a une Tony sauvage. Eh non, mais je veux pas dire pour l'instant, ça me sert à rien de dire Wild Man, le ci, le là. Ça me sert à rien. Pour l'instant. Il y avait un hibou. Bon. On a les infos. Venez, mes frères. Vous savez quoi ? On fait le point au Telegram. Est-ce qu'il y a des frères encore qui nous rejoignent là ? Non. Ok. C'est bien ça, petit à petit, l'info me l'a vendu 100$, tu vois, c'est quand même une somme, hein. Ils ont charbonné les gars toute la journée, on n'a plus rien, on n'a même pas pour acheter à manger. Le cheval qui le regarde de travers, j'en peux plus. Ça va être un carnage, les premiers arrêts et tout, vous allez voir. Bon, ça va être simple. Donc on a payé 100$, on a l'endroit où pouvoir récupérer des graines, ça s'appelle Guarma. Il m'a dit derrière le tailleur d'Abi, sur la droite, il m'a dit il y a un champ de comment ça s'appelle ? De maïs. Écartez-vous à chaque fois des chevaux, sinon vous allez vous tuer la soirée en fait. Vous allez vous prendre des coups de sabot de partout. Donc, pour la petite histoire, donc on a ce point-là, ça veut dire qu'on va pouvoir se lancer dessus, mais apparemment, donc, ça coûte assez cher, faudra voir, où il faut des tickets. Et ces tickets, je sais pas trop comment les obtenir, ça, c'était pas dans le prix.
Donc à nous de voir, renseignez-vous si vous croisez des personnes qui vendent des tickets de Gourma. Ça c'est... voilà. Ah, ok. Il faut le savoir. Ensuite, j'aimerais qu'on aille voir les Dumont pour... je pense qu'on va essayer de travailler sur tous les tableaux. Même si on arrive à faire du cannabis, il faudrait quand même faire des whisky. Et il m'a dit que lui, il savait pas. Donc il faut aller voir peut-être justement les Dumont à présent. On a le télégramme. Qui c'est qui les a contactés pour voir si on peut se voir, où se voir, où vous les avez vus, où espérer les croiser? Moi, je les ai croisés tout à l'heure au tabac. Ils m'ont dit que je leur envoie un télégramme quand on veut les voir. Allez, vas-y, va leur envoyer un télégramme. On a le télégramme juste derrière. Allez, j'y vais. Parfait. Donc, essayez d'être curieux sans trop l'être pour pas éveiller les soupçons qu'ils ne demandent pas pourquoi Gourma, pourquoi on veut aller là-bas, etc. Si j'ai bien compris, semble que cette île cache autre chose. Donc, faites bien attention, mes frères. On va faire très très attention. On ouvre l'œil. Ouais, on va faire attention. Ouais. Oui, rigolo. Pour l'instant, Théo, ouais. Ouais, voilà. Du coup, on a discuté un peu aussi avec eux. Ils peuvent nous troquer des arcs contre des cœurs de cerf, des cœurs de loup, des peaux de loup. D'accord. Bon, après, des peaux d'ours aussi. Je vous avoue que je suis pas très très fan, moi, de l'arc. Je suis un putain de tireur. Donc, même pour la chasse. Donc après, comme bon vous semble, mes frères. Si vous voulez avoir un arc, vous aurez un arc. Et je suis pas spécialement fan du truc. Après, si vous voulez les déposer dans le coffre pour les autres frères, s'il y en a qui ont des arcs pour la journée, puis qu'ils puissent chasser et compagnie, ça peut être sympa aussi. Ouais. Il faut s'entraider au début. Parce que là vous avez vu, hein, 100$, ça leur paraît rien à eux, mais nous, ça nous paraît une montagne. Énorme. Ouais, c'est une montagne, ça, on est tous à sec maintenant. Ah ben, clairement, hein, là, j'ai 2,04$. J'ai 3 plats de pâtes en sauce. et une réglisse, ouais. Ah, quand même, une réglisse, oui. Ouais, quand même. Ouais, oui. On voit ça, hein, on a les poches vides maintenant. Ouais, mais tu vas les re-remplir, c'est comme ça. Oui, hein. Mais bien sûr. Comment on fait, hein, c'est très compliqué sinon. Hein. Du coup, on va voir s'il lui répond. Et sinon, on peut commencer à aller peut-être... c'était quoi, du côté de Rhodes qu'ils étaient? Nous, on les a croisés entre Rhodes et Valentine. Alors, moi, je propose entre Rhodes et Valentine, ça fait beaucoup, hein. Ouais. On pourrait aller, on est pas loin de Valentine, descendons sur Valentine au niveau du télégramme de Valentine. Et par contre, quand on fait les rendez-vous comme ça, simple, hein, mettez peut-être pas les masques, parce qu'après sinon, en fait, ils vont dire, ah, c'est les mecs qui avaient les masques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça que j'ai pas mis. Donc d'ailleurs... Et du coup, on s'appelle avec nos surnoms, pas nos surnoms? Mais pour l'instant, écoute, c'est un peu... Hein, tu vois, c'est parce que c'est galère, quoi. C'est un peu galère, ouais. Oui, surtout entre nous, donc... voilà, moi je me présente comme Will Montana, et il n'y a pas lieu d'annoncer pour l'instant le nom qui nous unit, dans l'instant T. On le verra quand on revendiquera quelque chose. Là, je viens d'acheter quelque chose, je suis pas parti revendiquer, tu vois. Ouais. Donc, go Valentine, et on descend au Telegram. Donc, le temps de descendre, déjà, ça nous fait avancer. Ouais. Donc, c'est quoi, je vais essayer de rappeler mon canasson. C'est quoi qu'il est là, non? Attends. Rigolo. C'est... Ça fait mal. Surtout que c'était le mien, mais comme vous êtes monté dessus... Non, c'est ma copine, hein, c'est la mienne. Ah, c'est la tienne? Ouais, ça fait très mal. Donc maintenant, 1$ pour le doc. Ah, putain de merde. Il est blessé, celui-là. Bon, et mon... Oh, putain, attends. Oh, mon genou. Il m'a tapé en plein dans le genou. Du wow. Du Tinon. Voilà, t'es quand même plus sage, toi. Allez, on y va. On descend sur... voilà, on va sur Valentine. Si vous voulez vous faire écouter quand vous êtes loin, pensez à parler bien fort. Très important. Et vous verrez... Avec une carte, ça va très vite de se repérer. J'espère qu'il n'y a pas des loups encore. Il y a des loups, je l'ai dans le cul là.
Alors, pour ceux. Restez un peu à côté là, attendez-vous tous. Donc, je vais vous expliquer. Ça, c'est le trot. C'est tout bête, mais c'est le trot. Ce que j'appelle petit trot, c'est le premier petit galopage comme ça. D'accord ? Ça, c'est le petit trot. Et là, vous récupérez en fait, au niveau du cheval, vous récupérez l'énergie au petit trot. Ils t'entendent pas, ceux derrière. Et il faut avancer. Donc là, comme j'ai dit, là, on est au trot. Et là, petit trot, vous récupérez l'énergie, je veux dire, le cheval la récupère bien. Ok ? Okay, et ensuite on partira au grand galop, c'est ça. Allez. Normalement il m'en faut un à côté pour me donner du courage. Voilà. Deux par deux, toujours deux par deux. Si tu fais trois, c'est pas bon. Voilà. Et là tu vois, ton cheval il récupère, il se fatigue moins comme t'es à côté, ouais, ouais. Et en plus il s'encourage. Valentine, c'est par là-bas, non ? Ça me semble. Valentine ! Putain, on est un moulon déjà. C'est énorme. Et merci pour le BGK Dama, merci beaucoup. Ah, c'est trop bon, c'est un film en fait, le truc. Il est fatigué. Ça ouais, aussi. Il faudra penser à le faire entraîner vos chevaux ou les faire entraîner dès que vous pouvez. Ah ouais. Parce que ça peut nous porter largement préjudice. Merci la manivelle. Je vais le contacter demain, le dresseur. Ok. Dans ce DGTA, on reconnaît quelque quoi. C'est tous ceux qui sont avec moi. C'est tous les Vatos Locos. Oui, oui. Le mapping est insane, clairement. Clairement. C'est le fuego. On y va. Va direct au télégramme, Muerte. Pendant qu'il regarde le télégramme, on va regarder un petit peu qui est en ville pour discuter peut-être et tout. Allez, ouais, quelques heures restent là, on est 3-4 chevaux à partir là, on va aller juste en ville. Quelques heures restent là avec notre frère. Eh bien le bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien ? Écoutez, fort bien, je vous remercie vous-même. Ça va, merci. Vous vous déplacez en gros comité, dis donc. Oh, gros comité, vous savez, on se déplace entre frères et on est en train d'explorer, de regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, simplement. D'accord, ouais, ça en fait une grande famille. Oh, vous savez, papa et maman, ils ont aimé les hivers bien froids. Ouais, je vois ça. Oula. Rigolo. oui. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Wow. Une ville plutôt dangereuse ici. Bien le bonjour à vous. Bonjour. Ah, visiblement, il avait des problèmes avec moi, ce monsieur. Bonjour. Passez une bonne journée. Bonjour, monsieur. Alors, je suis nouveau de par le comté et je viens d'entendre tirer. Et ça tire à vue. On doit se cacher. Non, c'est un citoyen qui s'en est pris à un juge fédéral. J'ai oui. Il a rappelé les choses. D'accord. Très bien. Très bien. Bon, bah écoutez. Et vous êtes monsieur ? Will Montana. J'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer. Vous êtes là depuis peu de temps sur le comté. Exactement, tout à fait. Nous sommes quelques frères et nous voyageons. Bien.
Très bien, très bien. Et bien, bonne promenade, du coup. Merci messieurs. Beaucoup. Allez, au télégramme, messieurs, on va regarder si notre frère est là. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, messieurs. Bonne soirée. Ils m'ont pas demandé de me faire recenser. Ah, ça me fait penser. Apparemment, il faut aller se faire recenser à Rhodes. Je crois, et parce que le maire donne de l'argent. Ah oui, exact, oui, c'est vrai. Ah ben, let's go, Rhodes. Ouais, Rhodes. Here's the road, Jake. On the road, Jake. And you come magnum. Combien il donne le maire? Combien? Non, je sais pas. Je sais pas. Non, non. Bah, je sais pas non plus. Alors? Après, il t'a répondu? Martin? Non, non, il a pas répondu. On va aller à Rhodes, on va aller se faire recenser si vous voulez. Parce qu'apparemment, à Rhodes, il rémunère. Ah, bah, c'est bien. C'est bon à savoir. Ouais, il te donne de l'argent quand tu te fais recenser. Donc du coup, on est parti. C'est pas Bah oui. Allez. Tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est ce petit cheval là. Ouais, c'est pas nous. Allez, par ici apparemment. Toujours se méfier des modes, t'en as qui dorment, mais c'est ça. Mais c'est fou, y a du monde de partout, frère. And they come back no more, no more, no. Bonjour. Ma politesse me perdra. Il va falloir aussi... attendez, les secs. Il va falloir aussi... regarder un petit peu les shérifs, comment ils sont à droite, à gauche, repérer les noms, tout ça. Moi aussi, je vais faire un recensement, ok? Oui, c'est important. Oui. Très important. Le jour où il nous arrive quelque chose... Trop poli pour être honnête, hein, mais clairement. Et donc, quelqu'un a été enterré? Ah non, ce sont des panneaux. Oui, exact. Ah, je te jure, le cheval non entraîné, j'ai envie de passer la nuit à l'entraîner là, tu vois. Oui, c'est vrai. It's a roll, Jack. Any comment, putain. C'est chill, frère. En même temps, il y a des histoires de ouf et tout. C'est. Trop bon. Ah, les débuts, c'est la galère hein, quand t'arrives avec un groupe. Et ça montre que même en tant que fondant et compagnie, c'est pour ceux qui regardent qui souhaiteraient monter des groupes. Et il y a des paliers quand même à franchir, les gars. Par contre, on a donné 100$, on est à Payol. Et apparemment, de toute manière, si on n'est pas recensé, il y aurait une belle amende. Donc autant éviter. Rien que 100$, ça nous a fait mal au cul. Si on peut éviter une amende et gagner de l'argent. Ah oui. Ah, je crois que mon cheval veut monter le tien. Ouais, j'ai l'impression. Oui, ouais. Non, mais c'est bon quand ça bouge aussi, que tu fais les guerres et tout aussi, que tu... T'es sur les drogues et compagnie, etc. Mais tout vient t'apprendre, c'est t'attendre. Là, tu sens la galère économique, là. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va prendre le temps de faire de l'argent et tout, parce que ça se gagne pas comme ça. Du coup... Ça, c'est sûr. Tu profites, là. Tu profites de chaque dollar. Ah oui. D'ailleurs, mon prochain, j'irai voir une catin.
C'est 10. Ouais, Billy, pour l'instant, il est enregistré, il est rangé. Ah, il en peut plus déjà. Il est pas entraîné. Ah non, toi oui ? Ouais, bah ouais. Non. Si, j'ai fait toute la soirée hier soir. Oh merde. Jusqu'à 9h ce matin, j'étais là. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est dommage que t'aies entraîné une mule. Ouais, c'est pas grave. C'est non. Une mule, c'est une chicane à ça. Bonsoir, mes respects, madame. Bonsoir. On cherchait à rencontrer. Déjà, je vais me présenter à vous et cesser d'être impoli. Je suis Will Montana. Et voici mes frères. On a entendu dire qu'il fallait, de par la loi, se faire recenser. Et nous sommes venus sur Rhodes pour nous faire recenser. Alors, vous voulez que je vous escorte jusqu'au petit. Vous me feriez un tel honneur, madame. Très bien, venez sur moi. Pour le moment, ils sont un petit peu occupés, mais je pense qu'ils auront bien pour finir leur petite réunion. Très bien. Oh, ils ne seront patientés. Et puis, en votre charmante compagnie, il n'y a pas de... Oh, je vous en... Déjà ? Déjà, madame ? Ok. Non, je vous en prie, madame. C'est rapide. On m'a dit que l'odeur du musc... C'est l'eau de Cologne, ça. Ouais, arrête tes conneries. J'ai pas pris de bain depuis 3 jours. Bah, je vous en prie. C'est juste sur votre gauche. Très bien. La petite maison qui a le petit sapin. Mes frères, je vais vous demander d'aller un peu plus loin et faire fuir vos chevaux de façon à... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Encore désolé, monsieur. Oh, je vous en prie, madame, et vous êtes madame ? Amy Stark. Madame Aileen. Très bien, madame Stark. Ah, madame Aileen aussi. Wow. J'ai tout le monde. Ok. Bonsoir, monsieur. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie, madame. C'est possible de passer ? Il n'y a pas de problème. Attends, on va faire ça. Je vais mettre le cheval ici. Merde. C'est bon. Eh bien, le bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Désolé du brouhaha, moi et mes frères, venant du Montana, je me prénomme Will. Will Montana, oui. Comme de là où nous venons. Et nous avons ouï dire que nous faire recenser était une obligation et qui plus est, le maire de cette ville était généreux avec les personnes qui venaient justement le faire. Et je vous avoue qu'on n'est pas contre petit repas ou autre chose, je ne sais pas quelle est la récompense. Alors, j'en ai aucune idée, surtout que le maire n'est pas là actuellement. C'est pas bien grave. Par contre, là, on va être sur une intervention, donc je vais vous rediriger peut-être vers un autre bureau de shérif pour vous faire recenser. Oh, je vous avoue que sinon, je repasse. Si vous nous permettez, on s'est présenté de notre plein gré. Oui, et très plus tard, oui, plus tard ou demain, merci. Ou très bien. Oh, j'espère en tout cas que c'est pas une affaire qui mettra en péril vos vies. J'espère aussi. Ah oui, mais surtout que vous êtes accompagné de personnes fort agréables qui ont déjà monté ma monture. Donc c'est parfait. D'accord. Très bien. D'accord, bon, mais écoutez, on vous incommode pas plus alors. Hein, on va. C'est dommage, mais on va faire autre chose en attendant. Très bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Oui, madame. M'excuser, si vous voulez, je peux vous offrir à vous et vos frères. Un petit repas chaud avec une petite boisson. Écoutez, madame, c'est fort agréable et j'apprécie votre demande, mais vous avez l'air justement prise par une affaire de haute importance. Rappelez-moi votre nom. Amy Stark. Écoutez, madame Stark, je me permettrai éventuellement de vous demander... Vous travaillez à ce bureau ? Vous travaillez à ce bureau ? Non, je travaille à Saint-Denis. Très bien, alors je me rendrai à Saint-Denis, je vous en donne ma parole, et c'est moi qui vous offrirai un bon repas chaud. Je vous souhaite sur ce une très bonne soirée. Tenez ce petit mien pour vous pouvoir acheter ce qu'il vous faut. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Son frère, c'est Iron Man. Pourquoi Iron Man ? Ah non, Stark. Il est con.
Ouais, j'espère que vous allez être... de la neige. J'espère que vous allez être tous polis avec les dames. Parce que sinon, vous aurez affaire à mon putain de crochet du gauche. Pas de problème pour ça. Mais oh, on est d'accord, on est d'accord. Oh, la petite dame m'a donné... la petite dame m'a donné 10 dollars. Oh, c'est incroyable. Ouais, incroyable tout ça. Je suis un gigolo. Ah, c'est vrai. Clairement. Non, en tout cas, c'est fort sympa. Ça va nous permettre, on ira acheter à manger. J'ai trouvé des repas à 20 cents, etc. Donc, c'est pas mal. Ah oui. Muerte, presse ton pas, s'il te plaît, mon frère. Et regarde si as reçu un télégramme. Et de cette façon, comme ça, on peut partir d'ici, donner rendez-vous. J'ai l'impression que s'il ne consulte pas les télégrammes, les comment ils s'appellent. Ouais, ça va être compliqué. Coucou, Gilles. J'ai envoyé à Monsieur Douglas, je vais voir s'il a répondu aussi. Oui, aussi, ah bah aussi, oui. Une manière ou d'une autre. Parfait. Comment ça va? Oh, ils sont super gentils, les gens. Regarde, tu vas voir des shérifs, ça te parle, c'est gentil, ça... C'est incroyable. Moi, j'ai bien apprécié, en tout cas, l'accueil dans les shérifs. Ouais, c'est sympathique. Ça, c'est... Moi, je vais dire un petit truc. Saint-Denis, Rod, Valentine, Patouche. Ainsi, on sera bien vu par ici. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Ouais. Comment il tient, toi, ton truc encore? Incroyable. Ouais. Tu t'es fait soigner ou pas, mon frère? Quoi? Ben, ton œil qui purule sans arrêt. C'est griffu le loup? Ah oui. Ah. Très bien, c'est vrai. Rigolo, bagarre loup. Ah oui, c'est très rigolo. Évite pour le moment, d'accord? Tu avais dit que tu ne caresserais plus les loups. Les derniers loups que tu as caressés, tu leur as brisé la nuque. Oui, donc j'espère... Ah ouh, et moi rigoler. Je sais. Tu vas devoir te calmer un petit peu. Mais quand je dis te calmer, c'est simplement regarder avec ton œil et ne pas toucher. Tout ce que tu touches, tu tues, mon frère. Oui. C'est ça le problème. Bon. Pardon. Allez, non, venez, on se rapproche du télégramme. Ils ont tous une personnalité. Ouais, c'est la brute. Message. C'est énorme. Alors? Non, pas de nouvelles encore. Putain, pas de nouvelles. Chiant. Cette terre rouge de Rod, un fou partout. Bonsoir. Alors, attends. KR907. Attends. Nouveau contact, on a dit. Albert Pathier. KR907. On va faire se bloquer dans le chat. Petit. Ah, t'as besoin d'un coup de main pour te retirer? Oui. Allez. Will Montana. 2, 3. Oh, vache. Ouais, comme tu peux le dire, la vache. Oui. Bordel. Cru que mon bras est resté accroché. Non, mais je crois qu'il est resté, hein. Merci. Non, je le prends. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Ah, il est super, le télégramme. Yo, Chiranui, ça va ou quoi? La montagne. Ah ouais, non, c'est pas la montagne, mais c'est pas. Apparemment, il y a pas mal de mouvements à Blackwater, on pourrait faire un tour. Ouais, on va faire ça. Attendez, on attend deux petites secondes. Ouais, je vais aller pisser un coup de. Ouais, je vais faire de même, en profiter. Il y a un sapin devant, mais il n'y a pas de cadeau. J'ai le temps d'aller changer mon blouson, à ce qui paraît, ça appartient à déjà une famille. Attends. Ah, c'est à côté, je crois que t'as le temps, vas-y. Vas-y, je vais y aller. Dites-lui que je reviens, ouais. Télégramme. Oh, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Alors, putain, sincèrement. Il le marque, c'est déjà ça. Alors, déco? Oui. Pas de réponse. D'accord. Venez, messieurs les Montana. On va parler sur le côté. Mon bon. Cheval, je sais pas ce qu'il branle. Quel bonsoir. Oh, non, on va chercher la reste de notre frère. Ouais. Pardon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a des. Les présentations sont faites. Oui, voilà. Eh bien. Bon, les chevaux. Qu'est-ce qu'il y a, la brute, dis-moi? Il a dit qu'il veut parler avec nous. Très bien.
famille Moriarty. Oui, alors allons-y, voir un petit peu. Si. Non, pas d'accusé, au contraire, c'est bien, c'est Far West. Monsieur. Lui il veut parler avec lui. Me présente, Will Montana. Enchanté, Herschel Moriarty. Très bien, monsieur Moriarty. Vous êtes les Montana, d'accord, ok. Ok, je vois. Vous comptez faire quoi dans la région, messieurs les Montana ? On est de passage, consulter un télégramme, simplement, pour rencontrer des personnes avec qui nous avons pu converser, et nous sommes arrivés il y a maintenant de cela, il me semble, 2 journées, depuis le dernier train partant de la région, justement, du Montana, dont je porte le nom. D'accord. Très bien, ok. D'accord. Vous faites partie des shérifs, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, on est la famille Moriarty. On est installé au manoir Westwhite. Très bien, donc une grande famille. Si vous parlez de manoir, une famille de qui plus est riche. Exact. Très bien. Mais. Écoutez, si vous êtes dans la politique ou autre, c'est vrai qu'à niveau influence, moi, c'est pas trop mon credo. Et ce ne m'effraie non plus. Nous sommes de simples voyageurs et vagabonds qui essayons simplement de faire un petit peu d'argent au travers de travaux, au travers de débrouilles. D'accord. Vous êtes des hommes à tout faire, quoi. Vous êtes. On n'ira pas jusqu'à tout faire, mais à faire ce qui rapporte, oui, monsieur. D'accord. Ok, très bien. Bon, ben, sûrement qu'on va se rencontrer un peu plus tard quand vous aurez vu tout ce qu'il y a dans la région, tout ça. Vous aurez peut-être. Écoutez, avec plaisir, en tout cas, bien sûr. Et puis, votre accueil est fort agréable, monsieur Moriarty du manoir de Rhodes. Aucun problème, vous inquiétez pas, on sait bien accueillir les Moriarty tant qu'on ne nous chie pas sur les chaussures. Oh, vous savez, jusqu'à présent, on chie dans des endroits où on est assez pudique. D'accord, ok. Voilà, donc je pense pas que vous aurez quelques problèmes que ce soit avec mes frères, n'est-ce pas mes frères ? Aucun problème. Puis okay. Je vous vois armé comme il se doit, je crois reconnaître certaines armes, j'ai pas envie de me frotter à des personnes qui pourrait me faire un deuxième trou du cul, pour vous parler franchement, monsieur, avec tout le respect. Oui, bien sûr. C'est bien, il faut avoir un peu de retenue. Vous savez, il y en a certains, ils arrivent les couilles dans la main et ils repartent la queue entre les jambes. Écoutez, mes couilles, je vais les laisser où elles sont. Et pareil pour l'anatomie qui fait de moi un Montana. Et je le conserve justement pour les saloons et les boîtes à cotins. D'accord, parfait. Nickel. Bon bah écoutez, monsieur Montana, prenez soin de vous et à une prochaine. Merci, merci monsieur Moriarty. Mes respects, messieurs, dames Moriarty. Bonne soirée. Ça fait beau, ça fait des grosses armes. Ça fait des grosses armes. Ah, c'est pas avec le couteau qu'on allait aller bien. C'est compliqué. Toujours pas de télégramme ? Ah, on peut retourner voir. Hein. Ouais. Allez-y, on va peut-être. Qui c'est qui a. Attends. Je vais voir ce que. Ouais, je peux donner un plat à quelqu'un si quelqu'un a vraiment faim et qu'il a rien sur lui. Il m'en reste 2. Non, c'est bon. C'est bon pour vous ? Ouais, moi c'est bon. C'est super, c'est bon. Okay. J'irais bien la fontaine remplir ma gourde. Ouais, pareil. Je crois que. Je sais pas. En fait, il y a une fontaine, en tout cas, il y a un point d'eau un peu plus loin. Elle est à l'entrée, elle est devant le saloon. D'accord. Tour retraversé. Allez-y, ceux qui ont besoin, peut-être, simplement. Ah, on vous attend par là. Après, j'ai plein de trucs vite fait pour pas perdre de temps. Alors, mon RT ? Non, toujours pas de nouvelles. Fichtre de bille, crème. Comment se fait-ce ? Alors, Blackwater. Blackwater, oui, ça va être notre destination. Ils vont remplir leur gourde. Et ensuite nous partirons, mais si vous avez bien compris, notez dans le petit carnet que les Moriarty sont sur la zone. Peut-être qu'ils sont les gardiens ou des tenteurs qui influencent en tout cas le comté de Rhodes. Allez savoir. Ils font la sécurité pour le tabac, Monsieur Clayton. Donc on est bien dans ça, ok, je vois. Je vois où ils veulent en venir. J'ai eu affaire avec eux au tabac tout à l'heure. Ok. D'accord. Bon bah écoutez, nous allons chevaucher jusqu'à Blackwater. De là, il va falloir maintenant trouver des réponses. Ce soir, notre objectif est de savoir, on a déjà l'information pour le cannabis qui nous a coûté $100. Il nous faudrait maintenant l'information pour l'acétone, où trouver ça.
et puis ensuite converser. D'ailleurs, le marchand de légumes, je vais voir s'il m'a répondu. Ça peut être sympa de le voir. Peut-être que lui va pouvoir nous apporter directement une information aussi. Il a peut-être pas été que marchand de légumes. Oui, monsieur, bien sûr. Pour le PNJ. Pomme de terre. Présent, nanana, nanana, nanana. C'est beau, ouais, ce qu'il a fait. Approuvé par la franchise Human Label de Yuri Petroskas et des autres joueurs. Ils ont un RP tellement développé, ces mecs. Mais c'est énorme. Ils nous proposent tellement du RP, mais poussé. C'est même plus une story. C'est un truc de ouf. Yo, Xerox, ça va ou quoi? Ça date? Ah, moi, je suis là, frère. Bon, pas de réponse de mon côté. Yo, Skydead, ça va les poulets? C'est pas une story, c'est une masterclass, clairement. Allez, messieurs. Chevauchons vers Blackwater et au-delà. Attention. Attention, quand vous appelez les chevaux, décalez-vous toujours. Vous l'apprendrez. Mais décalez-vous toujours quand vous appelez les chevaux pour pas vous rentrer dedans ou... Enfin, voilà. Allez, allons-y. Et là, puis, on est des vagabonds, là, tu vois. On est sur un territoire. Peut-être demain, c'est notre territoire qui va nous intéresser. Peut-être demain, on va vouloir acquérir un saloon. Il y a 1 million de power-up, 1 million de choses à faire. C'est génial. Soif. En fait, il fait froid, tu mets le chauffage, il fait chaud, t'as soif. Bonsoir, j'étais très triste d'apprendre que le meilleur des Vatos avait décidé que t'étais l'aventure et bon, j'ai adoré. Merci beaucoup, Smoker. Tu sais, après, comme je dis des fois, ben, on finit les histoires, c'est comme ça. Des fois, tu les finis pas comme tu voudrais les finir aussi, c'est comme ça, les gars. C'est... En tout cas, je remercierai jamais assez le frérot et toute son équipe, comme d'habitude, de nous avoir mis bien. Une exclamation GTA si vous voulez voilà, savoir les trucs. Et sinon, point d'exclamation BG. Il fait quel degré chez toi? Ouah, il doit faire chaud. Et où? Oh, putain, il est pas bien mon cheval. Ah, mais c'est. Ah, quand ils sont pas entraînés. Attends, non, mais il est pas bien là. Y a personne qui a du foin? Non, ça va, il reprend. Il a la tête qui tourne et tout. Incroyable. Moins 1. Je sais pas. Ça vous plaît l'histoire en tout cas en attendant? Les débuts, c'est prometteur les gars. C'est prometteur de ouf. Après moi ce que je vous propose là c'est le premier soir. Mais qu'on est arrivé sur ces comtés. Mais après éventuellement on n'est pas obligé à chaque fois d'être 500 pour faire les rendez-vous. D'autres peuvent travailler, faire avancer aussi leur relation à droite à gauche. Et on peut se réunir au fur et à mesure du temps. Ça peut être sympa aussi. Pardon, bonjour. Excusez-nous monsieur. Je crois qu'il était décidé à s'arrêter mais je crois qu'il a pris peur. Oui je pense aussi ouais. Allez. Bah non, en même temps, je vois pas ce qui peut leur faire peur. Du blond, là. Ouais, allez travailler, tu vois là. Allez-y, je vous rejoins. Je vais le calmer un petit peu, il est trop énervé. Allez, calme-toi. Alors, dis-moi, Shire, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ça va pas bien? Tu veux que je te tape la nuque? Voilà, allez. Je crois qu'il est pas bien du tout. Ah, s'il y a moyen de ramasser du foin, il faut que j'en prenne. Hein. J'en ai. Bah vas-y, donne-moi-en, juste histoire de le mettre bien là, parce qu'il est vraiment pas bien. Ouais, je comprends. Ah ouais, regarde la gueule qui tire, c'est trop. Ouais, il est malheureux là. Bah ouais, on dirait toi, mais un cheval. Ah, merci. Allez, c'est un beau compliment ça. Exactement. Allez.
Merci ZNK91, merci beaucoup pour ton prime. 5 à moi, merci beaucoup. Allez, on y va. Merci beaucoup, merci énormément. Et Max de Love, s'il vous plaît. Merci. Pas de choker, les gars. Allez, on y va. Là, je m'arrête plus, j'en ai rien à foutre. T'as vu, avec le fouet, je mets ton cheval, il est bien. Hey, je crois que notre frère Leblanc, on va l'appeler la science. Pourquoi la science? Il a toujours une réponse. C'est vrai, ce con-là, il a toujours quelque chose à dire. Ouais, ou le génie. Le génie, ça dépend pourquoi. Ouais. Ouais. Le génie du mal. Mais ça peut être pas mal, ouais. Des fois, c'est le gênant. C'est vrai qu'il est très gênant de temps en temps, mais bon, on peut tous l'être. Ouais. Je vais essayer de me rapprocher de la petite de... Hey, écoute, la t'as police. Sur ton cheval au premier soir. Écoute, y a pas de fumée sans feu. Exactement. Et comme je dis, tu vois, peut-être se rapprocher, avoir des petites informations, décider là, hein, va savoir. Bien sûr. Ça peut être hyper intéressant. Ça peut être un partenariat intéressant. Ouais. Tu vois, sans faire du RP coupe, ne soit se rapprocher, faire des restos, des trucs, tu vois ce que je veux dire. Ça lui faire du bien de converger un peu dans l'eau, tiens. Oh oui. Joueurs quand même, c'est beau. Mais t'arrêtes de vouloir me taper, toi. Putain, mais il est sec le cheval, c'est trop. Il est pas bien. Merci Flemic. Bonjour à tous et hype. Merci beaucoup Flemic. Merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Joséphine est nerveuse aussi. Doucement. Essayez d'aller un peu tout droit. Bien le bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, ouais, ça fera 100 dollars pour passer. Ouais, je vais te niquer ta race. Ah, du coup, c'est bon, vous avez regardé rien pour l'instant? Il y a Marty qui regarde là. Et ok, ça. D'accord. Vous voyez ce qu'on fait, il faut en prendre l'habitude. Pour communiquer, en fait, tous les télégrammes qu'on voit, en fait, sur le chemin, tu prends 2 secondes, tu t'arrêtes, tu vois si tes frères étant écrits ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une bonne chose. C'est tout. On va prendre l'habitude comme ça, je l'avais pas d'ailleurs. Et... Bah, je t'avais envoyé un. On avait envoyé un télégramme d'ailleurs tout à l'heure. Oui, la lame, j'ai vu tout à l'heure. Oui, je l'ai eu, mais après, quand j'allais me reposer en fait. Et j'ai pas le réflexe. Et là maintenant, on va le prendre. Et c'est vrai que c'est le meilleur des moyens. Let's go. Ouais. Là, par contre, mon cheval est. Aïe, aïe, aïe. Mais tu fais quoi? Putain de merde, Shire! Il va donner, hein. Ce groupe, il va donner. Oh là 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 là! Yo Bilal, bien quoi? C'était un cri de quoi. Vraiment, j'en ai pas peur, mais j'ai pas envie de tomber sur des loups. Je me suis pas soigné en plus. Du coup de sabot. J'ai une question, tu fais plus de RP? Bah, je suis en train d'en faire, frère. Ah oui, tout à l'heure, à l'autre côté. Je roleplay aussi. Oui. Je passe sur GTA, plus pour l'instant. Yo, Matteo. Plus pour le moment. Là, on est sur le futur du RP. Ça s'appelle Red Dead.
tellement beau, tellement de possibilités, c'est un autre monde, frère. Oh, il a un peu plus le cheval, frère. Yo, Dom, comment ça, mon gros? Tranquille ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il y a un serpent quelque part, là. Mais il est parti! Mais il est con, mon cheval. Il a eu peur du serpent. Ouais, ouais, mais il est parti après. Ça va tranquillou. Je vais plus sur GTA. J'ai pas dit que j'y allais plus. J'ai dit que j'avais arrêté ce que j'étais en train de faire. Et que je suis sur un nouveau projet. Tu as tout. Point d'exclamation, BG. Pas trop froid, non? Ça va? Tranquille. Ah, tu vois, je viens de voir quelque chose. C'est pas bon. J'avais plus mon énergie. Et quand tu rappelles ton cheval, il a l'énergie. Ouais. C'est des détails, hein. Bien, monte. Je viens de marcher. Ah bah je l'ai posé, ouais. Ouais, alors attendez, ben on y va à pied, allez. Ça aurait été le bordel en ville avec les chevaux. Eh ouais, allez. Envie de tourner. Mais c'est vrai que je serais quand même plus à l'aise quand j'aurais une petite arme, hein. Je vous l'avoue. Moi aussi. On va tout faire. Et demain, écoute-moi, le pétrole va s'embraser. Demain. Ah mais demain, moi je te dis le tabac, ça sera mieux. Ah oui, demain il double les prix. C'est double prix demain. Ouais. Moi travaille toute nuit. Ouais. Ça aura peut-être plus le coup de faire du tabac demain. Le tabac, donc il faut se faire embaucher par contre, c'est ça? Non, comme le pétrole, je pense. Non, pas besoin. Et pourquoi il vous a pas embauché? C'est lui qui le rachète. Il le rachète, le patron. Ouais, il le rachète directement. Oui, mais si vous embauchez, je crois que vous doublez les prix et les salaires à chaque fois en plus. Bah, il donne un peu plus que quand il est pas là, en fait. Ouais, il y a des primes, etc. Il y a des primes si tu ramasses 200 de tabac. D'accord. Ok, ok. Ah, ça vaut vraiment le coup, je pense. Ouais, je sais pas, écoute, je sais pas avec le frère combien on a fait cet après-midi. Ouais, on a fait pas mal, ouais. En très peu de temps. Nous, avec le borgne, on a essayé tous les endroits possibles cet après-midi. Ouais. Pour nous, le plus rentable, ça reste la chasse et le tabac. La chasse et le tabac, ok. Bon, après la chasse. La menuiserie, c'est ce qui paye le mieux, mais c'est trop long. D'accord. Le pétrole, en termes de temps, ah bah ouais. C'est quand même pas mal. Là, ah, bah oui. Et en plus, la pénibilité, c'est pas. Franchement, ça va. On n'est pas bien, les frangins. Bah là, on est. Regardez-moi là. Ça. On est deux pécables, là. Les noyés arrivés, ils sont tous rentrés chez eux, quoi. Faire régner la terreur dans la ville ou quoi? On n'a pas besoin. Peut-être aller vers la place du marché. Ouais, écoute. Hein. Bon, regardez, s'ils veulent nous recenser, ils veulent nous recenser peut-être aussi. À un moment donné, faut le faire. C'est vrai. Oui, c'est comme vrai. Ça, au moins, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Il y a un beau sapin, là, disons. Putain, mais ils sont où tous? C'est incroyable. Shérif? Shérif! Bon. Ah! Shérif? Mais non, sors de là, shérif! Bon, venez, venez, on fait le tour, hein! Il y a 203 personnes. Je vois personne là. Eh bien le bonjour. Si vous avez soif, vous pouvez boire. Bonsoir. Bien le bonsoir, messieurs. Eh bien le bonjour, messieurs. Bonsoir. Bien le bonsoir. Ben, Comment vous avez pris pour des shérifs? Ah ben écoutez, non. Non mais de près du coup, voilà. Beaucoup moins. Non. tout de suite moins. Will Montana, et vous êtes? Enchanté, Montana. La fraternité, les mineurs d'Annesberg, enchanté. Oh, très bien. Fraternité mineure d'Annesberg, bien là d'Annesberg. Ça fait le deuxième mineur que j'ai croisé cet après-midi, notamment au pétrole, qui, au final, se retrouve très loin de sa mine.
vieux Philippe. Au pétrole. Bah, disons, une personne qui minait, qui m'a dit, je suis sorti un peu de là-dedans, car les personnes étaient un peu aigries en tapant sur les cailloux, donc ça me fait rencontrer un peu plus de monde, m'a-t-il dit, au niveau du pétrole. Voilà. Ah bah, c'est parce qu'il nous a pas rencontrés, ça. Mmh. On était aigris. D'accord. C'est sûrement ça, oui. Mais écoutez, vous voyez, on parcourt un petit peu, on est des vagabonds, et on parcourt un petit peu toutes les contrées, à la rencontre de personnes, etc. Et voilà, et puis ça nous permet de rencontrer des gens, de faire des connaissances, tout ça, quoi. Vous avez raison. Mm-mm. Parce que vous êtes arrivé récemment, non? J'ai plus jamais entendu parler de... Oh, il y a des jours, effectivement, de par le dernier train du Montana. D'accord. Mm-hmm. Écoutez, bienvenue dans nos contrées, dans ce cas. Oh, ben écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, oui. Oui. Bon. Et ici, justement, chercher des shérifs là pour se faire recenser. Alors ils sont pas disponibles pour le moment. Bah, t'as pas compliqué là. Ils sont tous partis, ça tire un peu partout. Il y a moins de 10 minutes, donc je crois que. Ah bon? Ah bah si vous les cherchez, hein. Peut-être à la frontière. À la frontière. Oui, ouais, peut-être plus. Mes frères, est-ce qu'un petit voyage à la frontière vous dit? Allons-y. Ça m'étonne. Ils sont. Ils sont sur les crocs, je crois. Ah bah écoutez, de toute façon, il n'y a rien à croquer, on a que dalle. Donc, voilà, au moins comme ça, c'est fait. Vu comme ça, ouais, c'est. Ouais. Bah écoutez, messieurs de la mine de Nesberg de la fraternité, je vous souhaite une bonne soirée. À tout hasard, j'ai une petite recette là pour mes frères. On essaie de festoyer, j'ai des patates, j'ai des bouteilles, tout ça. Mais on n'arrive pas à mettre la main sur de l'acétone à part au niveau du pétrole. Il n'y aurait pas des endroits, des fois, un peu que vous connaîtriez, ou peut-être un pharmacien ou un docteur qui en vendrait, qui saurait faire un petit dessous. Oh, il ne nous en faut pas beaucoup, mais de façon à pouvoir festoyer un petit peu. Il y a peut-être bien quelque chose. Toute chose se vend, ou tout. D'accord. Après, tout se vend, hein. C'est des informations qui coûtent cher, ça. Je vois, mais comme je vous ai dit, on vient d'arriver, peut-être pouvons-nous... trouver un arrangement, quelque chose, je vais vous dire sincèrement, j'ai 10 dollars sur moi. Et tous mes frères, ils sont à... Comment on dit ? À poil ? Voilà. À poil. Ouais. Rigolo. Après, on n'est pas pressé, si vous nous dites un prix, etc., ça nous permettra de nous mettre un objectif. Ouais, bah écoutez... J'ai le VIP ! Bien sûr. Comme ça, on peut rester en contact et... N'hésitez pas à parler un peu plus fort. Ouais, je voulais éviter de trop crier, mais... Alors, la fraternité, allez-y, je note. Du coup, moi, c'est la cagoule. Le plutôt tirif. D'accord. Le porion, je suis chef de la fraternité. Très bien, monsieur. Et c'est YQ381. Oui. 381. Donc 381. Exactement. YQ381. Très bien, je note et puis je vous enverrai un télégramme pour vous donner le mien, et si mes frères feront de même éventuellement s'ils ont à vous contacter. Et au niveau d'un prix pour cette information, vous seriez chiffré? Non, il faut qu'on en discute parce que... Très bien. Il y a pas mal de choses qui ont changé, donc... Soit. Écoutez, je vous remercie en tout cas de l'ouverture et de la discussion. Je vous souhaite une très bonne soirée. Aucun problème. De même. Et attention. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bon courage. Ouais. C'était beaucoup, j'aurais bien fait une bagarre générale là. Ah, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu, ouais. Il veut faire une bagarre générale. Il veut faire une bagarre générale? Il veut faire une bagarre générale. Je crois que la bête, ça. Il est. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je crois qu'il rentre. Rangez vos armes. Non, rangez vos armes et les lassos. Rangez vos armes et les lassos, les armes et les lassos. Ah non, pas du tout. Oui, bah c'est ce que je voulais éviter. Oui, normalement tu traînes. J'ai un de mes frères qui a entendu bagarre et je sais que c'est... Ah bah je crois que oui. Ah bah oui. Mode de tourner mon attention. Bah écoutez, moi pour le moment j'ai pris un putain de coup de sabot tout à l'heure, donc je vais rester de côté. Et si vous êtes trois, j'envoie trois de mes frères. Et ainsi ça sera... Si vous êtes quatre, on envoie quatre. Écoutez, vous voulez peut-être pas en pleine ville, non? Ou... Ouais, peut-être en pleine ville, ouais, c'est peut-être... Ouais. Par pas là. Les shérifs sont un peu tendus. Bien, donc ça me rappelle le Montana, les bagarres avec la famille Austin.
C'est vrai. Ah, nous étions jeunes et fougueux. On s'est branlé à ceux-là. Ouais, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'on faisait ça au calife. Bande de fous. Ligoté, ouais, c'était pas vraiment la même chose. Ouais, mais c'est lui, il venait d'arriver. Des petites bagarres au couteau aussi. C'était simple. J'imagine, vous avez pas grand-chose à la prendre. On a. Pfff, sincèrement. Vous allez bien vous entendre avec mon frère. Un bout de pain. On pourrait partir là-haut, là, non? Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. Pourquoi je peux plus. Comment on pointe du doigt déjà? Oui. Je m'en rappelle plus. C'est pas ça. Évitez d'être con et de vous taper entre vous, mes frères. Ouais, ouais, je suis là. Attention, cheval qui arrive derrière. On peut aller là. Ouais, tu sais bien, c'était bien joué ça, 5, merci. Ah oui, oui. Allez, ça fait un point commun de famille. Ah, nous, pour éviter que ce soit. Mettez-vous derrière le caillou, mes frères. Que ce soit un peu le bordel, nous, quand c'est comme ça et qu'on combat plusieurs, on fait des espèces de 1v1 et quand un a gagné, il peut se joindre. Oh, bagarre. Sincèrement, bagarre générale. Ouais, non, on monte sur le caillou. Allez, ça va être bien. Montez sur le caillou, mettez-vous derrière le caillou, ceux qui combattent pas de nos frères. Ah, ceux qui combattent pas. Les gars, ils sont 4, hein, essayez d'être 4. C'est bon, je vous laisse cette fois-ci. Ouais, t'as déjà donné, Muerte, bien. Allez. Parce que c'est que Montana. Oh, c'est bizarre que la brute n'y va pas. Alors attends, par contre, excusez-moi, messieurs, mais sincèrement, c'est des bagarreurs bruts de décoffrage et notre arrivée est très. Ils n'ont pas tous les rouages. Donc, messieurs, vous venez taper, mais si vous êtes anglais, n'hésitez pas à lâcher et à tomber en arrière comme je vous ai montré. Hein. Oui, on saura la vie. Okay. Ça fera un bon entraînement, c'est bien. Ah voilà, il s'entraîne. Rigolo. Rigolo. Du coup, on évite les étranglements. Ah, mais du coup, lève-toi maintenant. Et lève-toi, pareil. Voilà. Vous avez entendu ? Ça serait bien un petit challenge, moi je trouve, quand même, pour les vainqueurs. Tranquille, tranquille, pour l'instant. Laisse les faire, pour l'instant. Un petit à petit. Vas-y. T'amuses. Ah oui, mais il y en a qui savent même pas trop comment. D'accord. Ok, bon. Ah, moi le premier. Ah, moi je vous apprendrai. Ah voilà, je vous apprendrai. Mais tu leur apprendras, moi, t'es un petit peu les esquives. Ouais, moi, ouais, c'est ça. Voilà, nous apprendre un peu. Tu bloques. Oh, il tape lui. Allez, c'est bien. Oh là là, il s'arrête plus. Allez, bloc quand il tape, bloc. Allez, oh là là, mais ça tape fort. Ah oui, ça envoie du lourd. Ah, c'est incroyable. Ne soyez pas pressés. Fini, tapez, là. Mais ne soyez pas pressés en fait. Hein. Vous allez vous fatiguer, les gars. Oui, ne soyez pas pressés. Courez pas, quoi. Précis, mais pas pressé. C'est ça, exactement. Muerte, tu leur feras une petite formation et tu leur seras une note pour écrit. Bien sûr. Exactement, oui. Attends, reviens ici. Non, c'est bon, toi, t'as gagné, ça suffit. Non, ah, bah si. Ah, d'accord, bah si. Mais faut pas pousser. Il faut pas. Voilà, c'est bien fait. C'est bien fait aussi. Dans les orties. Mais arrête de pousser, bats-toi, il faut pas que tu le pousses. Arrête de courir. Eh oui, arrête de courir, si tu cours, tu le pousses voilà. À chaque fois, bats-toi. Mais non, mais lui, j'en peux plus, lui. Ah ouais, allez, sors-moi de là, toi, viens. Viens. C'est bon. Rigolo. Incroyable. Oula. Ah là là. Je crois qu'il est pas bien. Voilà la tête. Vas-y, si, c'est bon, tout va bien. Ok. C'est bon, messieurs. C'est bien. Tout le monde c'est bien. Tout le monde c'est bien battu. Ça sert à rien de se faire de casser les dents. Dommage. Bravo à vous, messieurs de la fraternité. Bravo à vous. Tenez là, je sais pas qui c'est qui a combattu contre moi là. Je dirais pas bravo à celui qui a combattu. Par principe, tiens. Ah non, mais de toute manière, il va falloir qu'on s'entraîne pour ça parce que voilà. Ah parce que ça fait quand même mal, hein. Moi j'ai mal au dos là. Merci. Ah bah oui. On imagine, en tout cas merci pour cet échange. Bon, sur ce, allez, messieurs, à très vite. Oui. Allez, on vous souhaite un bon soir. Bonne soirée.
Allez. Messieurs, à ce qui paraît, on a une frontière à visiter. Ouais, je vois, je vois. Ah ben, c'est ça qu'il faut. Si t'as ce mécanisme, si t'as ça, c'est bon. Ça tue, il découvre en plus, c'est charmé. C'est bien, franchement c'est bien de ouf. Bon ben la première bagarre, c'est bien messieurs. Il va falloir apprendre à esquiver, enfin tout un tas de choses. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ne les dérangez pas. Le prêtre ! Oui. Allez, circulez, messieurs, circulez, venez, on les laisse trop. C'est ce que je viens de dire à mes frères, excusez-nous, messieurs. Mais les chevaux ralentissent. Allez, venez. Ouais, c'est un joli combat pour la première. Restez pas comme des curieux, parce que pour le coup, ils vont vous tirer dessus, hein. C'est un délire. Oh là là. Et les démons, putain. À voir. Yo Takino, le retour, ouais. Retour à la maison. Ramenez le RP à la maison. Allez le gros, allez. Ah, je me suis vraiment éclaté, comme je dis, le frérot nous a mis bien sur elle, etc. Et bon, bah, y a des choses que les gars, ils avaient plus envie, après ça m'a plus donné envie, et puis derrière, à un moment donné, y a des choses qui s'arrêtent. C'est tout. Ça, j'en peux plus. Le truc, c'est de s'amuser, les gars. Moi, c'est. Là, tout ça, c'est virtuel, c'est un jeu. Moi, je suis là pour m'amuser, vous divertir. Après, derrière, à un moment donné, y a rien contre eux. Qui que ce soit, contre personne ou quoi. Et au contraire, bien au contraire, j'irai que du bien. Donc je crois avoir vu sur la carte qu'il y a un ranch appelé McFarlane que nous parlait Madame Cluster, c'est ça ? Cluster ? Je sais plus comment elle s'appelle. Cet après-midi. Pas, avec toi. Ah, c'est en haut. Non. Là pour l'instant, je vais rester dessus et je vais me calmer aussi. Parce que. Comment dire, gérer des trucs, que les gens ils stressent, les petits problèmes, les cils là, je suis pas là pour ça. Je parle bien sûr en interne, en tout, dans le groupe, avec les autres groupes. Attends, mais c'est pas là. Oh, non, c'était en bas. C'est pas là, mais je suis con. Drop. Qu'est-ce que je suis con? Non, parce que je vois des tipis, faudrait pas trop rester là, quoi. Et comme j'ai dit, dans ma vie, j'ai jamais eu d'obligation. Jamais. Je m'en suis jamais mis, j'en ai jamais mis aux gens. Donc, derrière, je fais encore, j'allais dire ce que je veux, et... Mais comme j'ai dit, dans le respect, c'est tout. J'ai aucun problème avec qui que ce soit. Donc voilà. Si j'avais un problème, je le réglerais, mais pas... Pas comme ça ici ou ailleurs ou quoi que ce soit. Ça bonsoir. Serait... Il y en a pas. Eh bien le bonsoir monsieur. Ouais. Il y a du monde dis donc. Ah bah écoutez, en effet je constate la même chose que vous monsieur. Ouais. Donc peut-être eu un problème. Un problème? Je ne sais pas monsieur. Moi j'ai pas de problème. Bien le bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour, police de Saint-Denis. Très très bien. D'accord. Ça fait un sacré petit monde. Qu'est-ce que vous voulez faire par ici? Bah simplement madame, nous venons du Montana, je m'appelle de même Will Montana et avec mes frères, nous vagabondons de comté en comté de façon à essayer de faire de l'argent, travailler. On a essayé de se faire recenser tout à l'heure sur Rhodes mais il n'y avait pas de shérif disponible, ils étaient sur une opération. Bah écoutez, je lis pas dans les boules de cristal madame, donc ouais, je vous dis... En faites pas.
vous en faites. Vous me posez la question, je vous réponds. D'accord, donc j'imagine que vous voulez traverser la frontière, là, juste derrière. Ah ben, c'est... pour le coup, on nous a indiqué un certain monsieur Cluster ou un truc comme ça sur McFarlane qui entraînait les chevaux. On allait lui laisser les chevaux. D'accord. Et vous êtes fait recenser, du coup ? Donc, comme je vous disais, nous n'avons pas pu nous faire recenser. J'ai demandé au bureau de Rhodes, les personnes qui étaient là, il y avait même des personnes fort charmantes de la police de Saint-Denis qui étaient là, présentes aussi. Et on a dit que, comme ils étaient occupés, nous repasserons demain sans problème. Ils nous ont dit, il n'y a aucun souci. D'accord. Voilà. N'oubliez pas, hein, parce que sinon... Ah, je risque pas d'oublier. Et puis, vous savez... C'est important. Ben oui, surtout apparemment, un rôle le... Le maire est généreux, il nous donne un repas à chaque recensement. C'est vrai ? Je savais pas ça. Ah, j'en sais rien. Oh, c'est ce qui a été dit, madame. Ah bon ? C'est j'espère vrai que c'est un repas. Ah bah, écoutez, vous croyez qu'on veut se faire recenser à Rhodes, pourquoi ? On va pas. Et du coup, vous êtes quoi ? Des amis ? Une famille ? Ben, on est des voyageurs, on est des vagabonds. D'accord, vagabonds. Vous êtes des voyageurs, des vagabonds ? Il Montana, c'est ça ? Je suis où, il Montana, en effet ? Ah, enchanté, commissaire Altov. Enchanté, commissaire. D'accord. Et là, vous allez faire entraîner vos chevaux. Nous allons essayer, parce que je vous avoue, nous manquons cruellement d'argent. Donc, essayer de trouver un moyen de négocier avec le monsieur, de lui laisser les chevaux et de peut-être, travailler sur une zone à côté le temps d'eux. Ok. Je l'ai enregistré pour l'instant. Très bien. Ah, c'est génial, c'est russe. Je vais vous laisser aller parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait entraîner son cheval. Oui. Il est passé tout à l'heure et ça arrive dans les temps où il devrait revenir, donc comme ça vous n'êtes pas trop ennuyé, vous pouvez aller faire entraîner vos chevaux. Ça va ? Très bien, et mais expliquez-moi peut-être un petit peu parce que je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Je vois qu'il y a des fortifications. Comme je l'ai dit, on vient du Montana, moi et mes frères. Et derrière, je ne savais pas qu'il y avait quelconque problème à passer. Comme on dit, c'est la guerre. Vous êtes la guerre. Parce qu'il y a eu une rébellion au niveau de New Hostile. Ces cas ont pris le pouvoir, donc il y a eu des postes de frontières qui ont été mis en place par du gouvernement des Amériques. Yokan. Des nouveaux détenteurs du Mexique, enfin du New Hostile, pour le moment. Donc on contrôle tout ce qui va ou vient. Vous souhaitez qu'on descende et nous contrôler ça, nous palper tout ça ? On peut faire ça. Allez, faisons. Allez, c'est vous. Faisons donc. Allez, mettez-vous sur le. Oh non, pressé. On passe un par un, mes frères. Attendez, comme ça je passe. Je fais le premier, je remonte sur le cheval. Ce cheval va m'énerver. Ouais. Par contre, j'ai un appareil photo. Comment ? Allez, tu t'en occupes, Alta. Tout ça ? Moi, tout seul ? D'accord. Mais non, on va t'aider. Ah, génial. Bon, venez par ici. On va chacun d'un côté, là. Hop. Allez, venez avec moi. Alors, c'est la propose de la scène aussi, c'est bien. Donc, vous voulez passer la frontière, c'est ça ? Oui, madame. Oui, mais tu madame ! Non, vous en faites pas, vous en faites pas, ça va ! Viens avec moi, je crois que le cheval belge. Je crois que c'est comme ça. D'accord. Alors, attendez. Non, bah vous venez tout seul, hein, je vais pas agresser, frère. Mais pourquoi ? Ah ! Ah, c'est comme ça. Et je vous garantis, madame, la dernière qui m'a mis les menottes, elle était plus gentille quand même. C'est vrai ! Ah oui. On m'appelle la brasse de Rhodes, vous avez pas de chance. Ah bah écoutez. Je suis la pire possible. Ah bah. Bon bien. Est-ce que je vais y arriver ? Attention, Lerman, attention. Et pourquoi ? Non ! J'étais obligé. Vous êtes trop grand en fait. Vous êtes trop grand, j'arrive pas à vous. Ah, attendez, je me mets là. Allez-y. Bougez pas ? Je bouge plus, madame. Vous savez que vous êtes la deuxième dame quand même à vouloir m'attacher ou me sauter dessus des forces de l'ordre aujourd'hui. Mais c'est faux, je vous saute pas dessus. Ah bah écoutez, la petite dame tout à l'heure, elle a sauté sur mon cheval. Hein. Alors en général, je ne saute pas sur les gens. Ah pardon, monsieur. Je leur saute dessus verbalement. D'accord. Voilà, et là, j'ai aucune raison de vous sauter dessus verbalement, car je n'arrive pas. J'arrive même plus à vous démenoter. Ah, ça c'est la merde. Je vais m'énerver, J'avais envie. Vous pouvez demander à votre collègue peut-être. Attendez, c'est bon. Ah, ok. Alors, par contre, j'arrive pas à vous voyer. Mais démenotez-moi et remenotez-moi peut-être, je sais pas. On va essayer. Ouais. Hein ? J'arrive ? Non, Ah ! D'accord. Oh, vous avez par contre une voix fort douce et agréable. Oui, fort douce et agréable, on me le dit souvent, c'est pour ça qu'on m'appelle la brasque de Rhodes.
Lui, il est dangereux. Lui, il est dangereux. Bon, je pense que vous allez aller avec un de mes collègues. Très bien. Butch, moi c'est Butch. Ok, super. Je m'appelle Butch. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Je le laisse, j'arrive plus à sortir mon badge. Oui. Butch, je comprends Butch. Pas. Oh si, il est ressorti. Butch. Butch call. Ah. Attendez, okay. Attendez. Hop. Voilà, pareil, vous êtes arrivé hier. Voici, c'est la bonne. Ouais. Ça a été le voyage. Alors, pas trop dur. Je vous jure, je mets pas les mains là où il faut pas. Ouais. Hein. Oh, mais de toute manière, c'est trop serré. Vous pensez le bonheur. Oui, alors voyons voir. Vous avez. Oh, Burke, du réglisse. Oh, dégoûtant. Oui. Dégoûté. Attendez, ça a été le tabac. Très bien. Je l'ai enregistré aussi, Dylan. Bon, ça reviendra sur une story. Ok, c'est bon. Tout m'a l'air bon, tout m'a l'air correct. Très bien, madame. Oui. Là, je suis sorti. Maintenant, je vais vous retirer ces petits lacets. Ah, rien dans les voilà. Content, et vous pouvez circuler du côté des échafaudés. Merci. Allez. Ah, il y a une auto. Et oui, ça pique les couteaux, c'est vrai ça? Oui, c'est rigolo. Bah, c'est peut-être un couteau de chasse, hein. On va pas leur reprocher d'avoir un couteau. C'est dommage que là, il n'y a pas aussi des mecs. La Guardia. Ils sont en galère. C'est en galère. Regarde. Ah, tu sais quoi, hein? Ouais, j'y vais. J'y vais là-bas. Merde. Alors, McFarlane. Ah! Parti. De quoi mon poulet? Le Discord, c'est le Discord des TLG. Si tu veux le Discord de LGW, tu fais point d'exclamation serve ou serveur. Eh oui, ouh! Coucou Ra, ça va ou quoi? Tranquilo. Ouais, ça va, tranquille, on démarre, on est tous au taquet. Eh bien le bonjour, monsieur. Eh bonjour, mon petit gars. Comment allez-vous, monsieur? Vous allez bien, monsieur? Je vous entends pas si vous parlez. Vous allez bien, monsieur? Excusez-moi. Vous allez bien? Vous? Très bien, très bien. Je viens de la part de madame Maggie Cluster qui m'a dit de rencontrer un certain monsieur Cluster, son frère dit Papy. C'est moi, c'est Ah bah écoutez, vous me voyez enchanté, ravi de vous connaître. Un grand honneur de rencontrer votre soeur cet après-midi, grande chasseuse d'alligators d'après ses dires. Eh bah c'est un honneur aussi mon petit. Will Montana pour vous servir monsieur. Je venais vers vous, on a quelques petits soucis, j'ai acheté donc ces magnifiques canassons. Mais je vous avoue qu'il traîne un petit peu la patte. Ah oui, d'ailleurs, je l'appelais Shire. Oui. Ah oui, oui. Bah oui, parce que des fois, je pousse un peu la chansonnette. Mais j'en ai une. The Horse is on Shire. Voilà. Continuez de chanter, hein. J'ai guise ma lame. Je voulais vous dire, donc j'avais besoin de vous laisser avec mes frères. On est juste 11. De vous laisser nos chevaux. Ça glisse, c'est easy. Ouais, mais par contre, j'aurais pas os canasson à vous prêter. Ah non, mais ça, c'est pas grave. Après, on se démerde. Hein. Y a quelque chose pour faire de l'argent, pas très loin. Pour vous payer, parce que le temps d'eux, il faut qu'on fasse de l'argent. Moi, j'ai 10$. Je sais pas combien ça coûte et on va faire le nécessaire. S'il faut aller à pied jusqu'à Armadillo, on ira travailler la morgue ou un truc comme ça, quoi. Ouais, bah, c'est ce que j'allais vous dire, ouais. Après, moi, j'ai 3 canassons que je peux vous prêter. Salut, mon petit gars. Je peux vous prêter 3 canassons. De toute façon, je pourrais pas les faire les 11 en même temps. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que je vous en prête 3, vous m'en laissez 3, et est-ce que vous êtes là demain? Oh, on est là tous les jours, après-midi et tout ça. Demain on sera là, oui. Moi je peux vous laisser le mien, je récupère le mien demain après-midi, mes frères vous passeront les leurs et compagnie.
Ok, et bah écoutez, on peut faire. Ah, par contre, c'est pas un cheval ça. Il est rigolo, cheval. Et oui, il est. Comment dire, très abrupt, mon frère. J'en ai un pour lui. Il s'appelle Jojo. Mais il est un tout petit peu plus petit. Rigolo, je veux. Oui, oui, la brute. Du coup, ouais, je veux bien. Combien ça coûte? C'est 26$. Après, si vous êtes arrivé, vous venez d'arriver et en plus vous m'en faites entraîner 11, je peux vous faire ça à 16$ par canasson au lieu de 26. Bah, écoutez, fort bien, acté, oui. C'est acté, monsieur. Oui, oui. Voilà. Ah, ça chatouille ça. Ouais, bah, c'est comme ça qu'on fait, on tape sur l'épaule chez nous. D'accord. Très bien, monsieur. Oui. Ah oui. Ah oui, ça pique. Bah écoutez, bah. Je vous passe mon canasson. Venez, on va aller à l'écurie la main. Allez. Il en faut encore deux, les frères. Par contre, la brute, oui. Je pense qu'il va falloir peut-être que tu acquières un cheval. Un vrai cheval. Parce que. Ouais, mais pour. J'allais dire pour chevaucher par la suite, ça va être très compliqué pour nous suivre. Ça va être une vraie galère. Vous sous-estimez la mule, vous. C'est vrai ? Vous le dites. Ah oui. Ah bon, alors garde ta mule, la brute. C'est vrai que t'es aussi grand que nous dessus. C'est vrai. Ouais. Putain. Ah, parfait. Oh ! Joli, Shire. Alors, je vais récupérer le vote directement, mon petit monsieur Will. Très bien. Je vais vous donner le vote tout de suite derrière. On va faire ça un par un, ça va prendre quelques minutes. Oui, bien sûr. Il s'appelle Shire. Vous savez quoi, je vais vous prêter le mien personnel, ça va pas vous changer. Comme ça. Oh. Il y a un télégramme par ici. Muerte, il est où? Oui, je vais y aller. Ouais, Muerte, voyez, peut-être si vous avez reçu le télégramme. Ah ouais. Attendez, je regarde si j'ai pas de matos là-dedans. Au non. Pire, vous me dites et je touche pas. Ouais, non. Ah ouais, lui il est équipé pour aller très loin. Ah bah il y a tout mon matériel dessus. Hein. Vous ah oui, pas, ah oui, mais non, je vous laisse tout ça. Je vous laisse tout ça. Ben merci, et puis prochain. Je vais faire le nécessaire. Non, celui-là c'est le vote, celui-là, on est d'accord. Celui-là c'est le mien, oui. Ah, c'est le tien. Oui, okay, oui, bah, on a les mêmes salles. Le tien aussi, alors. Oui, c'est le mien, c'est le mien. Viens ici, à côté de moi. Il faut que tu ouvres la lanière droite de ta sacoche. Qui... Dans ta sacoche, t'as un petit papier qui est acte de vente. D'accord. Tu remplis ça, tu mets 0 et tu signes. Voyez, messieurs. Non, pas dans la sacoche. C'est en bougeant qu'on rencontre des gens. Dans la lanière droite. C'est parfait. Monsieur, j'ai votre télégramme de votre sœur. Bon. Oui, votre sœur Maggie me l'a donné tout à l'heure. Donc, okay. Vous voulez peut-être le mien aussi ou... Ouais, je vais noter ça. Attendez, laissez-moi me choper mon petit calepin. Oui, je vous en prie. Je le connais par cœur de tête. Ah oui? Oui. Ouais, j'en doute pas. T-A. T-A. Donc comme tata, mais une fois, ta. Et 723. 723. Nickel, c'est noté. Très bien, monsieur, nickel. Merci. Tu arrives, mon petit gars? Mes frères, je vais en se rejoindre à Madillon. Ou alors pour ceux qui... Moi je vais aller, je pense que je vais aller travailler un peu. Ouais ? Ok. Ouais. T'y retournes. Et tu vas aller travailler où ? Là tu regardes bien. Je pense que je vais aller au tabac. Ok. J'en ai sûrement en plus, alors du coup... Ok, bah continuez à parler avec les gens et compagnie, tout ça. C'est bon, j'ai toujours pas de cheval, il faudrait que j'en prenne un. Bien sûr. Et après tu signes. Qui est-ce qui veut aller à Madillon ? Eh bien bonjour messieurs. Madame. Comment allez, guerrier ? Très bien, très bien. Je viens voir visage pas le Freddy. Ah, okay. Ça vous dérange, j'espère. J'ai pas compris. Je veux dire, vas-y. Wow.
nous venir voir Visage Palefrenier et pas vous déranger, j'espère. Ah non, pas, non, pas du tout, on est en train de passer nos chevaux, quelques chevaux, tout ça, donc pas de soucis. Oui. Bien, bien. Okay. On va à l'armadillo ? Moi je vois, ouais, allez, c'est parti. Tu laisses ton cheval, toi, ou pas ? Non, non, je l'emmène, moi. Il faudra un troisième. Excusez-moi, ouais, il y a récupéré. Oui, attends, moitié, il est en train de nous parler. Moi je suis Will Montana, monsieur. Être la première fois que je vous croise. Ah, il y a beaucoup de premières fois. Entaché, oui. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas entaché, monsieur. Non, non, tout va bien pour moi. Être votre langage, oui, le langage de Wessicou, dire entaché quand rencontrer quelqu'un. Enchanté. Ah, enchanté, d'accord, oui, oui. Enchanté, d'accord. Entaché. Enchanté, enchanté. Oui, tout pareil, ça... Merci. Il en faut un troisième, les gars. Qui a besoin d'un entraînement de cheval? Les gars, qui c'est qui a pas fait l'entraînement? Il en faut un troisième, les gars. Je vais les laisser s'occuper de leurs chevaux. Non, mais attendez quand même, la politesse. Je vais donner le mien alors, je vais donner le mien. Vas-y, donne le tien. Attendez, je vais me mettre là quand même, monsieur est en train de nous parler avec la dame. Tu veux de quoi attacher Shunkaweken? Non. Comme je voulais pas écourter la conversation, veuillez nous excuser, hein, mais c'est vrai que comme il est en train de faire des passations de chevaux, oui, donc je suis Montana et voici mes frères, quelques vagabonds qui venons justement de Montana, de cette région. Et, et avec mes frères, nous parcourons un petit peu les comtés en quête de travail pour nous donner un petit peu d'argent, pour manger, pour nous équiper, et puis voilà tout, monsieur. Bien. Il s'est écarté un peu sur moi. Tu allais bien? Isha allait bien. Ce soir être ta soirée, décidément. Toi allais bien. En avoir vraiment marre, hein. Et du coup, vous êtes? Être les guerriers de Lakota. Lakota? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un lien avec les natifs de Wapiti? Non, pas vraiment. D'accord, non, pour savoir, parce que nous les avons rencontrés, fort agréables personnes. D'accord. Et vous vivez donc dans le coin, vous êtes de cette région? Oui, ce sont nos plaines que tu vois autour de toi, guerrier. Ah, vos plaines, d'accord, je pensais que c'était aux Américains. Alors, vous allez... Oula, il va y avoir des problèmes avec eux. Moi, en tout cas, j'en ai rien à foutre et je vous respecte. Bien. Parce qu'il y a les Américains, guerrier. Oui. J'ai pas compris, monsieur. Être nous les Américains, guerrier. Ah ben, certainement, monsieur. Moi, je suis pas là pour vous contrarier. Tout ce que vous allez dire, je vais acquiescer. Celui qui vient de me donner son canasson, il peut venir récupérer? Celui qui a donné le canasson? C'est qui a donné son cheval. Oui, et donc, au-delà des plaines que sont les vôtres, et au-delà de tout ça, dites-moi un petit peu, vous vouliez savoir quoi, monsieur? Tu veux leur parler? Rien de plus. Très bien. C'est toi, Denis, qui était la première fois que nous croisons. Effectivement, monsieur. Je voulais simplement faire connaissance, oui. Avec plaisir, monsieur. Pas vrai que ça vous fait plaisir, mes frères? Bien sûr. Ça, c'est sûr. Toujours. Enchanté. Entanché. Bah oui. Yo, plus encore pour le moment. Fini, non? Je suis parti sur un projet Red Dead. Fini, non? Espérons. Ouais. L'espérance fait vivre. Avec plaisir. Bien. Mais écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir converser avec vous. C'est pas que, mais j'ai un palefrenier à payer. Il faut que je trouve de l'argent. Donc, on va essayer de se bouger un petit peu. Hein? Oui, attendu dans ce cas. Toksha à vous, guerrier. Ça doit vouloir dire au revoir, donc à bientôt. Oui, et très bientôt. A buenas. Au revoir. Bien, au revoir. Et où il monte? Vas-y. On est parti. Merde, j'ai presque parlé comme eux. T'allais parler comme eux, Will? Ah oui, presque, ça y est, je suis trop inspiré, là. Armadillo, allez, mes frères. Et tout le monde le sait, de toute façon, on se rejoindra à Armadillo pour le reste. Hein. Ah, on est tous là. Ben, c'est parti, à gauche. Armadillo. Vas-y, prenez le devant, regardez sur votre carte et faites un petit crachat dessus, non? Un petit côté faux cul. Oh, mais complètement. Mais il faut savoir que je vais être gentil avec tout le monde, avec ci, avec là, nanani, nanana, dès que tu es dans mes pattes et contre nos intérêts. Mais gros, je vais te vouloir pire que la mort. Nouvelle vie, Red Dead, ça sent bon. Ouais. Qui ça? Ben moi, gros, mon perso, puis le corps, je suis gentil, moi, avec tout le monde. Arrêtez-vous.
Hola a todos. Alto. Hola. Bien le bonjour, Will Montana. Pasa, amigo. Bonjour. Si, hola. Will Montana, nous si. Sommes avec mes frères, de simples vagabonds voyageurs, et nous venons de laisser nos canassons au niveau de monsieur Papy Cluster, il me semble. Si, et nous allions vers la ville d'Armadillo pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir le payer, parce que nous n'avons rien sur nous. Ça fait 48 heures que nous sommes arrivés du comté de Montana. Si, vale. Et vous voulez faire quoi comme travajo? Ben, ce qu'on nous proposera, madame. Vous avez du travail pour nous, on peut faire du travail. On a juste besoin, en fait, de faire de l'argent pour se nourrir et pour payer l'entraînement de nos canassons, madame. Si, tant que ça reste dans le légal, j'ai envie de dire, vous pouvez aller voir sur le radio. Oh, écoutez, madame, sans vous offenser, vraiment, on fait tout ce qu'il y a de plus légal. Cet après-midi, j'ai passé l'après-midi à tremper mes genoux dans le pétrole pour essayer de travailler et me faire un petit peu d'argent, quoi. Si, Baldé. Ce serait bien qu'on vous recense là, todos, hein. Ah bah écoutez, je suis à votre plus grande disposition, madame, je peux pas vous dire mieux. Bah Baldé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous rentrer gentiment sur le Madillo et on va tous vous recenser. Je suis plus que gentil, madame, vous allez voir quelqu'un de très docile. Allez, soyez gentils, mes frères, hein. Si, comme toujours. A caballo, les hermano. Oh non, on est en train de faire jouer tout le plateau, c'est énorme. C'est énorme, ils nous font jouer aussi, c'est beau. Je sais pas. Je sais qu'il y a des hermano qui sont partis travailler un petit peu. Et vous êtes combien en tout? Mais si vous savez nous compter, 2, 4, 6. On est 6 là? 7 7 7 Balle. Ça veut dire quoi? Pourquoi elle parle de balai? C'est parti. Non. Ah d'accord. Ok, très bien. Il va falloir s'habituer. Merci, Peloucor. Merci. Je peux tout de même poser une question? Je veux bien être recensé, mais vous parlez êtes... bien fort, hein. Oui, je veux bien être recensé, mais vous êtes qui? La Guardia. Ça veut dire quoi? Le shérif pour New Austin. Ah, d'accord, très bien, parce qu'on a été contrôlé par des shérifs déjà, c'est pour ça. On n'est pas des shérifs. Yo, Zofratopi, prends une exclamation BG frérot. Nous mélange pas avec les shérifs, s'il te plaît. Je ne vous le mélange pas alors, monsieur, pardonnez-moi. C'est quoi la différence? C'est qu'on est bien plus fort qu'eux, plus beau et plus intelligent. Ah, tout réside dans l'apparence. C'est exactement ce que je dis à mes frères. Toujours être rasé et aux quatre épingles. Exactement. On a toujours pas compris c'est quoi la différence. Toi tu dois la savoir, Muerte. Et un peu plus, il me semble que tes origines viennent... D'Armadillo, je viens d'Armadillo. Oui, même si t'as vécu dans le Montana quand t'étais petit aussi. Nous sommes l'autorité de New Austin. Très bien. Ah, voilà, là. Pour vous informer. Très bien. En tout cas, vous avez de jolis chevaux, de jolis chapeaux et des putains de jolies armes. Et vous voyez, nous, à part mon lasso et mon couteau, on est vraiment. Alors, je vais tenter tranquillo. Voilà. Je sais pas si ça va être. On ne fait pas un homme avec une arme. Ah, tout à fait. C'est vrai. J'ai connu une personne qui a combattu contre 5 autres personnes avec seulement un bout de bois. Un bout de bois? Exactement. C'était pas Pinocchio. Pardon. Désolé. Oui, dis-toi. J'étais en train de réfléchir, non? Oui. J'ai connu quelqu'un dans mon village qui s'appelait Gepetto, mais bon. C'est quoi comme nationalité ça? Je sais plus. Gepetto, c'est italien ou non? Je peux pas, je ne saurais vous dire, il était de passage. Et si, là, si. Tu viens d'arriver ou alors ça se passe comment? Tu viens d'arriver ou alors tu étais là depuis longtemps? Ah. Veuillez tous descendre de vos caballots et les renvoyer.
Très bien, madame. On les renvoyait pas tous ensemble. Les frères, cheval. Descendez des chevaux. Est-ce que vous disposez d'un docteur dans, dans cette charmante ville Si, bien sûr, il y en a des médicaux à qui. D'accord. Vous permettez que je puisse aussi, le temps qu'on fasse les papiers, en appeler quelqu'un au niveau du docteur? J'ai été saboté. Saboté? Ouais, oui. Vous avez besoin de bandes d'arrêt, seigneur? Sinon, vous donnez des bandes d'arrêt. Hein. Bah, s'il y a un docteur, tant qu'à faire, le faire travailler, peut-être non. Et après, on voit s'il y a pas. Il va aller voir si on a quelqu'un. Si, Francisco, vas-y, va voir la seigneur. C'est bien. Et bien merci. Je vous suis. Très bien. Très rustique, original. Si, très rustique, en effet. Le mieux, c'est de rentrer chacun votre tour. Il y a tout le monde qui va pouvoir entrer dedans. Bonne question. Ben, on va vous faire passer 13 par 13. Ouais, voilà. Non, pas du tout. 13 par 13 Non. Non, ça veut dire 3. 3 par 3. Ah, mon frère. D'accord. Très bien. Hermano, quand vous connaissez, voilà. Il y a rien de particulier. J'en veux 13 qui fasse le recensement à chaque fois de 13 de ces hombres. Est-ce que bien? Je vais prendre ces hombres là, moi. Il y en a déjà qui sont à l'intérieur du bureau, tu peux pas déjà les faire sur l'intérieur? Ou. Tu as vraiment à le faire? J'ai l'impression que c'est pas très commode. On va. Tenez-vous à carreau, messieurs. Mais. Vas-y. Hey. Hombre. Ah oui, oui, monsieur. Non, il parle hombre avec les barbes. Ah. Bah, on a tous. Jamais. Je vais te recenser moi-même, si. D'accord. Maintenant, tu vas venir avec moi et je vais te mettre à qui vienne. Oula. Bonne chance. Je vais te mettre à qui. Ah ouais. Je sais pas qui c'est à qui, mais il va lui mettre. Ça va marcher en vocal en... Mais non, à qui ça veut dire par ici? Ah d'accord, ouf, me voici rassuré pour mon frère. Alors, hombre, il y a une chose que je dois t'aider, je suis vraiment pour les chicassiers, pour le coup, ton hombre, il n'y a rien à craindre avec le médico ici. Pas de soucis, je disais ça avant de goûter. Ici, balai. Alors? Oui, madame. Alors? Je vais sortir les petits papiers. Ça marche. Je vais me charger de l'un de vous deux, les l'assemblée. Je vous suis, madame. Le temps que je regarde la page qui doit m'indiquer le recensement. Du coup, toi, tu as trouvé un médecin. Aucun médecin n'y est sonné. Ah, merde. Merci, monsieur. Tu pourrais t'occuper du dernier ombre qui est à l'intérieur? C'est vous que j'écrase à Blackwater? Eh oui. Vous avez été recensé? Non, non. Du coup. Oui, madame. On s'approche, j'imagine. Qu'il sorte. Alvaro! Note. Bah, allez. Je suis né à Armadi. Alors. Tu es pas trop fort non plus. Je ne veux pas avoir votre nom, pour favor. Oh putain, il y en a un qui parle vraiment trop fort par contre. Oui, c'est un de vos frères, de vos garda. Andrés, tu parles trop fort, Hermano. Oui. Je pensais plus à eux. Alors, du coup. Oui, madame. Oh putain, il vient enfin y aller. J'ai le médecin. Votre nom, votre prénom et votre nom, par favor. Will Montana. Montana, comme ça s'entend, je suppose. M-O-N-T-A-N-A, madame. En effet. Vous êtes né quand, seigneur? 12-08-1800. Voilà, vous me posez une question, on est en 99-58. Bah, allez. 1858. Vous êtes de quelle nationalité? Américain, madame. Vous exercez quoi comme métier? Vous êtes de quel groupe? Quel groupe? Ah, je suppose que vous formez un groupe avec votre... Un groupe? Non, je vous ai dit, nous sommes des vagabonds. Je m'appelle Will Montana, vous allez recenser une partie de mes frères. Mm-hmm. Et nous sommes des travailleurs. Cet après-midi, je travaille au pétrole. J'ai laissé mon cheval pour l'entraîner. Et je dois m'acquitter de 16 dollars à monsieur Papy. Et donc, je suis venu chercher du travail à proximité puisqu'il m'a prêté un de ses canassons. Et petite question comme ça, est-ce que vous comptez faire de la chasse légendaire? Oula, ça c'est une question, je sais même pas de quoi vous me parlez, madame, et je sais pas de quoi vous me parlez. Bah allez. Bah,
Au cas où, si vous décidez de faire de la chasse légendaire, n'hésitez pas à vous tourner à nouveau vers nous. D'accord ? C'est quoi ça, la chasse légendaire, madame ? C'est de la chasse à certains types d'animaux spécifiques, en fonction du recoin de la région. Et disons que ça vaut entre 10 et 20 dollars. Très bien, je vais vous rassurer, madame, je ne chasse pas les animaux, qu'ils soient légendaires, non, mystiques ou encore spiritueux, j'en ai rien à foutre, je travaille, je veux ma monnaie, je veux manger, et avec mes frères me déplacer de comté en comté jusqu'à partir d'ici. Vale, d'accord. Et votre télégramme, senior ? Mon télégramme ? Ah oui, vous êtes la troisième dame à me le demander aujourd'hui, madame. Ah ! Alors, hop, que je me rappelle. Ah, par contre, il gueule. Si, malheureusement. Andrés ! Alors, attendez, que je me rappelle. TA 723. Oh là là. Vous avez dit quoi en premier comme lettre ? TA comme Tata. Ok, bah. TA 723. Ok, d'accord. Il aurait juste besoin de faire une photo. Et après, ce sera oui, bon madame. Pour le senior. Alors, il va et ce recensement consiste en quoi, madame ? Je me laisse photographier très volontiers. Mais ça consiste en quoi ? C'est un laisser-passer pour circuler librement ici ? C'est comment ? Disons que vous n'avez pas à le refaire et à. Comment dire ? Avoir à. Comment dire, payer des frais administratifs, mais là ils seront vraiment. Toujours en vie, mais c'est une nouvelle histoire, mon cas. D'accord, mais quel avantage ça me procure ? J'allais dire rien du tout de spécifique. C'est-à-dire que si je balade, j'ai vu une frontière, j'ai été contrôlé par des shérifs, je peux être contrôlé par vous et dire j'ai été recensé ou ça fonctionne pas comme ça, il faut autre chose ? Disons que si vous dites que vous avez été recensé et vous donnez juste votre nom, prénom, on vous retrouve et balayez, c'est bien, on sait qui vous êtes. Très bien, madame. Faites, voilà. Je vois, madame. Je vous suis. Bah, disons que les. J'ai l'impression que les femmes ici, elles sont toutes des femmes de poigne. Hein. Toutes les dames que j'ai rencontrées. Ça. Oh là là. Écoutez, tant mieux. On a plus de coronets. Je me permettrai pas de répondre à cette affirmation et je vous respecte. Bah allez, venez, seigneur. Oui, je vous suis où, madame ? À qui mettez-vous en face de moi ? Oui, madame. Comme ça, avec la lumière en contre-jour sur vous, je pourrais bien voir votre seigneur. Vous pouvez retirer votre chapeau, por favor ? Por favor, vous avez une famille ou un groupe ? Et quel est le nom de votre groupe ou de votre famille ? Si, vous êtes les frères, donc ? Bah, les. Non, perfecto. Coco. Si, si, mais je veux dire, vous avez tous le même nom de famille. Point d'exclamation GTA, coup, si tu veux savoir. Pour les frais administratifs, ce sera 5 dollars, si vous avez, seigneur. Sinon, pour les dépenser. 5 dollars pour me faire recenser, je suis en train de venir pour gagner de l'argent, pas pour en dépenser, madame. On n'a pas 5 dollars, ni moi, ni mes frères. Vous avez rien du tout, du tout, du tout. Bah, on vient d'arriver. Je vais vous dire ce que j'ai, mais ça. Excusez-moi, j'ai 14 dollars, il manquait 2 dollars pour pouvoir payer seigneur. Le canasson. Seigneur, pour le médecin. Parfait, votre il nom, seigneur. Ouais, mais je crois que je l'ai. Après, on peut vous payer le médecin compris. Après si aussi. Si, je prends en charge votre soin médical. Ouais, mais si je paye 5 dollars, vous prenez pas en charge, vous le prenez 5 fois en charge. Pas de problème, moi. Après. Enfin, moi, après, c'est pas que, mais je vais plus venir ici, madame. Si vous me prenez 5 dollars pour un recensement, c'est 2 heures de travail, madame. Bah, allez, on peut réduire ça à 2 dollars. Oh, mais je me fais niquer, moi, mais c'est trop. Oh mais punaise, allez, c'est punaise. C'est les lois, c'est les lois qui, hein. C'est les lois, d'accord. Bah, je vais m'acquitter, donc vous avez dit 5 dollars, donc 2 dollars. Si on va réduire à 2 dollars. Combien vous pouvez faire pour moi et mes frères ? Parce qu'ils vont pas pouvoir payer et... Si je vous donne ce que j'ai là, j'ai 14 dollars. Je me mets à zéro et puis c'est bon. Votre télégramme, por favor. Disons qu'en effet, ça va payer pour tous les autres. Allez, ok. Andrés ? Si. Ce que va me donner le hermano en face de moi, ça paye le frais administratif des autres de ses frères. Balé. Ok, il est où la personne qui est plus. Voilà, madame. Nickel. Eh ben, vous pouvez du coup. Là, je peux circuler et chier sur la route, là. Ah, vous pouvez circuler tranquillement. Autant vous dire, seigneur, vous pouvez aller travailler à la mine. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Vous pouvez sinon acheter un seau et aller faire des pépites. Très bien, madame.
Les pépites, vous pouvez les vendre à Tumbleweed. Et vous mettre contre les murs. D'accord. Voilà, autant vous indiquer. Et la chasse, ça se vend alors soit à côté du lac d'Onrolio. Ne me parlez pas d'argent, s'il vous plaît. J'en ai plus. Non, 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 mais pour la chasse normale. Hein. Ouais, ouais. Bon. Ok, voilà. Ok, madame. Très bien, là, madame. C'est différents moyens de gagner de la plata. Vous avez pas peur, madame, que les gens ne viennent pas? Non, parce que les gens, ils viennent, ils partent, ils reviennent. D'accord. Autant vous dire. Oui. Le saloon de Armadillo rachète. C'est quoi déjà? C'est combien déjà les Hermano que Catalina rachète la viande? Ça y est, c'est pas. Demande à Andrés, lui, il doit bien sa vol. Andrés? C'est que. Oh, je me suis fait taxer, frère. Est-ce qu'on pourrait m'éclairer, pour favor? Aïe, aïe, aïe. Disons que ça rachète un poquito plus cher que si vous le vendez au boucher. D'accord. Et okay. Ça peut rapporter un peu plus. D'accord, madame. Okay. Donc adressez-vous à Catalina Torres. Tout va bien pour moi. La sanouinière du coin, elle pourra vous racheter votre viande. D'accord. Ce qui compte, c'est la viande de poulet. Enfin, la viande de poulet. La viande de gibier. Ah non, la viande de gibier, viande de mouton, viande de porc. Non, j'ai dit c'est bon pour vous. Et viande d'oiseau, je crois. D'accord. Si elle dit pas de bêtises. Tout est bon? Si, bah allez, tout est bon pour vous. Écoutez, rappelez-moi de plus croiser votre chemin. J'ai l'impression que ça va me coûter cher à chaque fois. Mais non, ça vous coûtera jamais cher. Je vous remercie. On va se le voir dans de meilleures circonstances. Non, 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 c'est le monsieur là en face. Ah oui. Ah, il y a bien moyen, oui. D'accord, madame. C'est bon, vous avez fini. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Il y a le médecin qui n'a pas été recensé. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Voilà le médecin. Will Montana, j'ai été blessé et je me suis fait saboter. D'accord, mais écoutez, on va aller regarder ça au cabinet si vous voulez bien. Très bien, monsieur. Moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Oh, bah, je me suis fait saboter. D'accord. J'ai reçu un coup de sabot costaud. D'accord. Les 5 dollars, les enfoirés, je suis pas au courant de ça, ils sont trop forts. Bon, allez-y, asseyez-vous sur la chaise. Très bien. Et dites-moi tout, où est-ce que vous êtes pris un coup de sabot? Au niveau du genou, monsieur. Genou? Très bien, je vais vous demander d'enlever votre botte. Très bien. Et de remonter votre pantalon, s'il vous plaît. Genou gauche, genou droit? Genou droit. Parfait, on va regarder ça. Hop, le charisme, il part quand je lève le pantalon. Vous arrivez à vous déplacer à peu près normalement? Oui, oui, monsieur, mais j'ai des douleurs quand toi j'appuie dessus. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait botter les genoux par un cheval ainsi. D'accord, mais écoutez, bougez pas, je vais tout doucement bouger la rotule. Vous me dites si jamais la douleur est vive ou pas, s'il y a une douleur d'ailleurs. Bien. On y va, on bouge un tout petit peu de vers la gauche, vers la droite. Bon, ça aurait été cassé, je pense que vous auriez déjà hurlé. Oui. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous arrivez à vous déplacer, donc pas d'eau brisée, douleur simple. Pour moi, ça va être juste une crème pour réduire un petit peu la douleur. Et ça devrait aller beaucoup mieux assez rapidement. Vous faites attention à vous. Pas de course. Surtout pas pendant au moins un bon gros quart d'heure. Très bien, monsieur. Et après, ça ira vite mieux. Je pense qu'il faut. Alerte limite toujours sur zone à Armadillo. C'est énorme. Ça va être froid, c'est normal. Très bien. Voilà. Un petit bandage et ça sera bon. Voilà. Et merci, monsieur. Je vous en prie. Évitez aussi de trop plier le genou dans la mesure du possible. Très bien, monsieur. Voilà, essayez de garder la jambe tendue. Et ça ira, c'est pas très... Franchement, c'est mineur. Hein. Vous avez eu de la chance, j'ai connu des coups de sabot un petit peu plus violents. Très bien, monsieur. Écoutez. Alors, je vais vous demander votre prénom, votre nom. Will Montana, monsieur. Will Montana, j'ai aucune idée, vous savez. Ouais, Will Montana, par contre, pour les dollars, ça va être très compliqué. Ah. C'est pas... Vous venez d'arriver, c'est ça? Ben, je viens d'arriver et puis je viens de donner 14 dollars à... au Mexique, juste pour me faire recenser, donc il me reste 40 cents, monsieur. Je peux vous les donner? ils prennent tout ça pour faire recenser. Aïe, aïe, aïe. Non, ouais. C'est bon, ça ira pour cette fois. Au pire, repasser un autre jour dans le cabinet. Vous êtes comment? Docteur comment? Je suis le docteur Boyle. Très bien. Boyle. Yo, oui, ça existe, c'est mon serveur, LGW. Si vous passez dans la région. Voilà, 200 joueurs le soir. Si vous me cherchez, si je suis là, bon, vous me donnerez le dollar à ce moment-là. Très bien, monsieur. Voilà. Comme vous êtes nouvel arrivant, c'est pas trop grave.
Très bien, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Parfait, je vous en prie. Faites attention à vous. Merci, monsieur. Et à bientôt dans d'autres conditions de pouvoir. Ah oui, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Aïe, moi je ne... Il y a Los Diablos, vous pouvez discuter avec Los Diablos, vous pouvez discuter avec, avec la brigade si jamais... Mes frères, on va peut-être éviter de discuter avec tout le monde à chaque fois qu'on discute là, depuis elle arrive sur New Austin, ça vient de me coûter 14$ les gars pour vous recenser. Ah non mais attendez... 14 c'est tout. Oui. Vous avez payé votre... Non, attendez, vous avez payé votre laissez-passer, il n'y aura plus rien à payer. Alors certes, si vous commencez une business, il y aura une petite taxe pour le... Enfin, évidemment pour le gobierno, pour le reconstruire le nouveau Austin, parce qu'ici, c'était une bonne zone américaine. Vous me donnez beaucoup d'informations, monsieur. Je suis vraiment pas prêt pour l'instant. Je suis juste venu travailler un petit peu avec mes frères pour payer... L'entraînement du canasson qu'on a. Claro. Moi personnellement, il n'y a pas de business, il n'y a rien du tout. Je ne compte pas ouvrir une paroisse ou un magasin de calèche. Hein. Non. Non, mais pas de problème. Hein. Je vous indique juste que si vous voulez travailler ici et peut-être avoir une affaire, n'importe laquelle. Hein. Et c'est quoi qui a comme travail un petit peu ici? Qui c'est qui embauche là, la vite fait? La mine, je ne vois pas de mine ici. Si, il y a une mine. Si. D'accord, fait, mais ici sur Armadillo. Ah non, Armadillo, non, il n'y a pas y avoir grand chose pour vous ici. Il n'y a pas grand chose, je vois qu'il y a marqué croque-mort en face. Si, mais là, il y a quelqu'un déjà. Mais. Ah, vous voulez vous travailler comme ça là pour. Oui, pour. On peut aller parler avec lui à l'intérieur? Ah mais si, claro, dites-lui que vous pouvez, hein. Ah ouais, il y a un métier d'intérim ici, frère. Pas très rassurant, ça, le choléra, le Silla, bonjour, monsieur. Oui. Mais on cherchait du petit travail, monsieur. Que je me rapproche? Oui, bien sûr, monsieur. Je vous écoute, monsieur. Non, je cherche... Vous rachetez quoi, des... D'accord. Ok, venez parler avec lui, mes frères, et prenez note. Ah oui. Ça vaut les 5... ça vaut les 14$ là, non? Ouais. Je suis curieux de voir ça. Là. Il y a beaucoup de choses. Hey. Comme l'impression qu'il y a quelque chose à faire par ici. Ouais. Ouais, c'est trop tout ça. J'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Maintenant, faut chercher que vous avez les indications. Ouais, c'est bon à savoir. Ah oui, une personne fort agréable. Il m'a dit, allez voir le contremaître. On va essayer, on va aller voir le contremaître un petit peu. Essayez juste le croque-mort, il est vraiment sympa. Hein. Ah, très sympa. Il m'a fait un beau cercueil, je suis fier de lui. Ah, moi je suis fier de lui pour vous. Ah oui, un cercueil. Ouais. C'est ce que j'attends moi aussi le plus au monde, c'est mon plus grand souhait. Mais bon, pour l'instant, il va falloir que je travaille pour m'en payer, hein, monsieur. Ah, il faut travailler dur, c'est très cher. Hein, on essaye, monsieur. Messieurs, venez. Ouais, j'ai... Allez. Essayons. Allez, n'oubliez pas de prendre votre petite carte affichée pour la zone de travail. On va tester. Ah, il faut que je paye. Gros, j'ai 40 cents. Frère. Oh, par contre, il m'a soigné, il m'a redonné à bouffer et tout. C'est bien ça. Et. S'il reste pas des bijoux là-dedans. La vie de maman, c'est chaud. Ouais. Hein? Et non, mais dans la nanane. Mais là, Will, tu viens de payer pour te faire recenser. On vient de payer pour se faire recenser. C'était 5$. Et je me retrouve. Ouais, je me suis retrouvé à lui donner 14$. Et j'ai dit, c'est bon, il m'a dit oui. Ah, mais c'est... Celui avec qui on parlait nous dit que c'était une taxe, en fait. Non, mais écoute bien. Ils m'ont pris 5$. Je te jure. Sur ce qu'on a de plus cher en commun. Je vais avoir 1000 fois la somme. 1000 fois, je vais leur reprendre sur ce territoire ce qu'ils viennent de me prendre. Claro. Je compte bien. Ah oui. Ça me va aussi. Rien à foutre des Mexicains. Ah ben, tu sais très bien que de toute façon, on n'a rien à foutre de tout le monde.
C'est pas mal, au moins tu fais montrer les différents métiers. Ouais, c'est ça, on a formé deux partout. D'un an ici. Mais le gouverneur, là où je sais pas trop quoi, il a la langue un peu trop pendue, à mon goût. Et par contre, un petit truc là. Il faudra essayer vraiment, vraiment, vraiment de choper des trucs pour Gorma. Ça va être notre principal truc à faire. Hein. Des tickets. Des tickets. Bah ouais, voir ce qu'il y a là-bas et tout. Où c'est qu'on peut prendre là, ce qu'il nous a dit, le monsieur. Il nous a dit ramenez-moi des cuillères en or, des perles. Ah, ouais. Il a dit prenez sur les morts, mais comment? Mais je pense qu'il faut fouiller les tombes. Moi, je pense qu'il faut fouiller les tombes. T'as des idées, moi, RT, qui commencent à me plaire. Vraiment. Ouais, j'ai vu que dans les General Store, ils vendaient des pelles. C'est ça, c'est moi aussi. Ouais, tout à l'heure, j'ai vu ça. Ouais, je l'ai fait chercher, c'est beau. Ça m'a fait penser à ça, tu vois. Mais où? D'accord. Essayons, de toute façon, on n'a rien à perdre. Ah, comment on dit, nothing to lose. C'est... Je vais en prendre 10. Je vais juste en prendre 10, voir ce que... Ouais, voir ce que ça donne. Ouais, voir ce que ça donne. C'est ce que je fais à chaque fois, je fais 10. Ça suffit. Parce qu'au moins, comme ça, écoute, de partout les comptes, on a fait que travailler. De partout. Ouais, c'est vrai. Incroyable. C'est pas grave. Ah non. On va montrer un peu notre gueule. Exactement. Et plus on connaît le monde, mieux c'est. J'ai l'impression que... On est peut-être une des familles... Par contre, ils sont au bout du décoffrage ici. Hein. Vous êtes de quelle famille et de quel groupe? Ils l'ont posé au moins 3 fois. Ouais, mais ils sont peut-être habitués. Ça veut dire qu'il doit y avoir des groupes et des familles. Donc, bien faire attention à nous par ici. Bah, ils nous ont dit qu'on pouvait parler à Los Diablos ou je sais pas quoi. C'est... Ouais, Los Diablos, je crois qu'il D'accord, dit, vous ouais. notez. Hein. Si, on va les noter tout ça. Los Diablos nous ont dit en gros qu'ils ont un petit peu du monopole et des business par-ci par-là. Oh. Mais je t'ai dit, le gouverneur, il a la langue un petit peu pendue. Mais il y avait le gouverneur ici? Ouais, il travaille au gouvernement plutôt. Ouais, il travaille au gouvernement. D'accord. Ouais. Et du coup, il a pris mon télégramme et il va m'envoyer un petit télégramme. Ah ouais, je crois qu'il t'a tapé dans l'œil. Je préfère encore la petite policière. Choisir. Oh, c'est cool. Des fois, on n'a pas le choix, quoi. Ouais, mais il faut savoir mouiller le cuir. C'est bien si c'est grappillé pour nous. C'est... Mais par contre, moi, j'ai peut-être une petite idée. Ouais, c'est quoi ta petite idée, moi, on t'écoute. En fait, tu vois, il y a une mine à l'est de cette ville. Ouais. Une mine de fer. Ouais. D'accord, il a dit qu'ils avaient le monopole, il n'y a que eux qui font du fer ici. D'accord. Et avec ce fer, ils font des armes. Oh, d'accord. Ouais. Et je me suis dit, en plus, il y a un campement là-bas. Quand on a de quoi revendiquer, on revendique cette putain de mine. Tu vois dans le New Austin, je pense pas que ça soit une bonne idée, vu qu'ils nous ont déjà pété le cul juste pour passer. Dans les médias, c'est pas sûr. Je sais pas trop. C'est une idée que je donne. Ouais, après on peut voir, on va te suivre. Oh là. Et ça doit leur faire drôle, les gens qui courent comme ça, ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils font. ils ont dit ils sortent d'où. Alors, attends, je vais fouiller un petit peu ici, et on fouille de partout, rien à foutre. Ouais, on est des croque-morts. Undertaker. Putain, je peux pas fouiller, moi, du coup. Si, viens, rapproche-toi. Voilà. On est bien entassé, là. Et mets la tête dans son cul, c'est parfait. Ah, j'aime ça. Là, on est bien bon. Ça arrive sur nous, là. Oh là. Messieurs, on fait ce qu'on peut. Ah si, ouais. Pas trop sérieux. C'est grand, mais bon. Ah non, ça va, j'ai la tête dans son cul, c'est parfait. Ah bah, pas le faire. Oui, écoutez. Oh merde. On dirait une cérémonie. C'est vrai, on dirait compris. Ouais. Et on dirait que vous faites des trucs un poquito sataniques, hein. Ne me flattez pas, s'il vous plaît. Merci. Bon ben, bon travail, trop, hein. Vous êtes tous de la Guardia, là? Non, personne. Ah, okay. Ah tiens donc, Muerte, tu pourrais aller parler avec tes confrères De Veste. Tu te rappelles ce qu'on nous a dit? Vous n'êtes pas décidé là, juste par rapport à une veste? Oui, bah c'est pour ça que... Oui. Ok. J'arrive, du coup. Vas-y, Muerte. Je t'en prie, mon frère. Hola. Bien. On nous a dit
Est-ce qu'on peut s'éloigner un petit peu? Histoire de discuter tranquillement. Et j'ai l'impression qu'il va se faire péter le cul surtout. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Adieu, Muerte. Adieu. On t'aimait, Muerte. On l'aimait bien. Ah, vite t'avoir connu. Non, vraiment, ouais. Ce qui fait chier, c'est qu'on sait pas ce qu'il voulait. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait, les Diablos, là? Ah, ils s'appellent Los Diablos? Si. D'accord, très bien. Non, rien du tout. Mais comme notre frère parle est d'origine mexicaine et qu'il portait une veste tout à l'heure, ils lui ont dit « Vous êtes un tel ou un tel ?» Donc il va se renseigner pourquoi on l'a pris pour un tel ou un tel. À savoir, c'est des cousins éloignés, j'en sais rien. Vous savez, mon frère est un solitaire. Grand garçon, qui plus est. Mais moi, j'ai une question. Oui ? Pas trop en discret, vous êtes qui ? Will Montana. Will Montana ? Oui, pour ma part. Dites votre nom, mais messieurs. Oui, moi c'est Jim Williams. Et Thomas Miller. Vous êtes tous une famille là? On est des vagabonds. On a une histoire, on va dire, un petit peu commune, oui, effectivement. Vous êtes des travailleurs. Voilà. On essaie de se débrouiller comme on peut, monsieur. Je vois. Que vous travaillez un peu dans tout. Ben là, on travaille surtout en proximité de celui qui doit nous rendre les chevaux. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, en plein entraînement, vous voyez. Et en fait, au lieu de gagner de l'argent, je viens de perdre 14$. Donc, pour le coup, il me restait que 2$ à faire. J'ai dit, c'est bon, c'est un bon coup, on va travailler à côté Armadillo. Et j'ai donné très, très volontiers à votre guardia une donation pour pouvoir être recensé. Je comprends le coût des papiers et tout le reste. Donc, du coup, je me retrouve comme un con à retravailler ce que j'avais travaillé cet après-midi. Vous avez payé la guardia? Ah ben, 14$, oui. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, quoi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir le nul aussi gros que... voilà, quoi. Ah oui, je crois que vous avez bien l'impression que c'est vrai. Ouais, ça fait 10. Ah, c'est compliqué. Ah, ça fait 10. Ah non, ça fait 11, moi. Et je vais garder une bague pour la petite. Je prends le coin. C'est où? Ici? Bah, c'est... Ah ouais, c'est ici. Pareil, faites pareil. Je nettoie. Attends, je te pousse un peu là. Non, oula. Mais ça va pas ou quoi? Regarde. Tombe bien, j'avais soif. Ouais, moi aussi. Ouais, elle est un peu verdie. Hein. Un bon chiasse après. J'ai l'impression que c'est quand même costaud ici, hein. Ah, ici c'est quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Ah, des bijoux propres, ok. Génial. C'est nous qui avons fait tous ces scripts. C'est-à-dire les images, les cils et là, c'est pas tout ça qu'il a fait. Et pour le coup, franchement, ça fait trop plaisir de farmer les trucs qu'on a fait. Ça, c'est les premiers scripts qu'on a fait. Les premiers. Ah ouais, vous avez l'air d'être deux beaux trous du cul. Toi, t'adores faire ça. Oh, oh non, mais stop. Merde, arrêtez de putain de merde. Vous boitez tout le temps. Lui, il adore ça. C'est... Will. Ouais, dis-nous, moi. Je pense qu'on a un truc intéressant là à voir. Ouais. On nous propose d'aller boire un verre dans leur saloon à Tiff Landing. À Tiff Landing, oui. Pourquoi pas, voilà. Alors, donc, on finit le petit truc. Il me demande si on fait ça maintenant ou tout à l'heure, je sais pas si... Oui, tu lui dis, on en a pour 10 minutes là, même pas. Allez, ça marche, claro. Ben, je lui dis qu'on le rejoint là-bas. Oui, on les rejoint là-bas, allez. Allez, ça marche, claro. J'arrive. J'ai l'impression qu'on rencontre toujours des nouveaux gens, non? C'est incroyable. Ouais, c'est... Ah oui, là, c'est incroyable, oui. Alors, oh, j'aime beaucoup ces bijoux. Je vais garder la petite bague. Hein. Je t'ai dit, je vais lui donner la petite policière. Il faut absolument que j'aille manger un morceau avec. À ta guise. Il m'a fait penser. Et après, c'est moi qui lui passe une bague. Pas compris?
Bah non, mais... non plus, oui. J'ai... Voilà, ils nous attendent dans leur salon, c'est bon. À Tief Landing, hein? Si, c'est ça, Tief Landing. D'accord. Je sais même pas c'est où. C'est... à l'est, non? J'arrive même pas à voir. Et imagine quand on repasse la frontière, les Américains nous demandent 10 dollars aussi. Non, non, là... Là, je crois que je tire sur tout ce qui est bouge. Ah non, là, là, j'ouvre la braguette sur le chichi. Ah, là, c'est sûr. Là, je te dis la vérité. C'est quoi ça, l'eau nettoyée? Ah, d'accord, ok. Je nettoie plus son cul qu'autre chose, mais... Une dent en or avec un anneau, et ça fait un anneau dent en or. Ouais, j'adore le concept. Très fort. Bon, ben moi je vais finir vite, j'en ai pas beaucoup, du coup j'ai pas eu le temps. Si. Je vais vous dire ce que ça rapporte. À ce qui paraît, ça rapporte très bien ici. Oh. Si, si. On m'a dit que ça rapportait beaucoup la Los Diablos. Ouais. Et la mine aussi, à ce qui paraît, ça rapporte beaucoup. Bon, après, la mine, ça, je te cours. La mine, ça rapporte de l'argent? Ouais, ouais, ça ouais, rapporte mais énormément, beaucoup. Mais en fait, il faut aller le revendre à des gens. Et en fait, les armuriers sont intéressés par les lingots d'argent. J'ai fini, après, je vais où? Allez, on retourne au début. Hello. Salut les petits chiens. Alors? Attends, je te dis. Vincent. C'est à peu près pareil qu'en fait. Ben ouais, ça, tu sais que tu vas au pétrole, c'est 30, hein? Ah ouais? Ok. Alors, je t'ai dit, le pétrole. Pas mal. Ah, yo, Rams! Et la menuiserie, 43. Ah ouais? D'accord. Ouais, ouais. Et le tabac, plus, c'est super. Demain, le tabac, si on a beaucoup de tabac, c'est 45, les Hermanos. Parce qu'il y a un événement ou je sais pas quoi. Ils vont faire des cigares, des cigarettes. Et ils nous ont dit qu'ils nous rachètent le tabac 45. Tiens. J'ai vu aussi des vendeurs de calèches. C'est 100 dollars la plus petite calèche. Ouais, c'est ça. Et ça et tu peux mettre beaucoup, beaucoup de trucs dedans. Mmh. 100 dollars, si on s'y met tous ensemble, on peut en prendre deux. Vous allez voir la moment sur le vas-y, t'as qu'une abonnée, mon frère. Non, mais je vais dire si on s'y met tous ensemble, je veux dire. Oui, oui, non, mais on va de toute façon, on va faire des choses comme ça. Hein. Voilà, me cassez pas les couilles. Parce qu'avoir 10 chevals qui se suivent à chaque fois, je pense que. Non, mais c'est bien, mais pour des transports qu'on aura à faire, par contre, c'est pas une petite calèche qu'il nous faut. Il nous faudra direct. Je vous le dis. De toute façon, les chevaux, c'est le plus efficace, sincèrement. Mais après, ben voilà, j'ai fini. 2,04$, wouh! Ça paye vachement, ouais. Wouh! Oh, bordel. Allez. Bon, après, c'est comme le tabac, hein. C'est la même chose. Mais je pense que le patron, il les rachète plus cher, c'est comme le tabac. Enfin, Tief Landing, allons-y, les hermanos. Allons-y. Avec ça donne. Hein. Après, à chaque fois qu'on passe, va falloir la payer, ça. Non, non, je te jure. Je te jure, la prochaine fois, j'y mets le couteau dans le cœur. Ah oui. Ah oui, parce que si on paye ça à chaque fois, ça va nous revenir très cher. Calme, calme. Bon. Calme quoi? Pas trop vous casser les couilles non plus, quoi. Ah oui, parce que un peu ça va aller. Et sinon... Ouais, j'arrive pas tous à bien les reconnaître, les différencier entre la Guardia, pas la Guardia... C'est ça qui est compliqué. Parce que demain tu vas t'arrêter, tu vas dire bonjour à la Guardia et ils vont te dire non, non, dépose ton arme. Ouais, voilà. Yo Motus, comment ça va poulet? Ça va ou quoi? Bien.
Et t'as dit d'en passer dans combien de temps là pour vos chevaux? Demain après-midi. Ok, ok. Bon, demain après-midi, putain. Tu crois que je me suis vraiment fait douiller ou pas? Moi je pense que oui. Putain de merde. Les femmes mourront toujours, je te jure. Parce qu'en plus on n'est pas tous passés. On était quoi, 6, 7? Oh, quelle enculade. Il va manquer le reste à faire passer. C'est où là? C'est à droite, Chef Landing? Ouais, ouais. À droite, tout droit. Ok. Après, faut faire attention aussi, hein. Faut te faire dépouiller très rapidement si par des personnes. Ouais, c'est ça. On a intentionné tout, hein. Un peu comme nous, quoi. Wow. Exactement. On va voir ce qu'ils nous veulent. Hein. Ouais, déjà, on va boire un petit coup avec eux. Bah, on va rien boire du tout, on va se faire foutre. J'ai pas d'argent. Ah, s'ils nous proposent à boire gratuitement, je dis pas non, moi, perso. Ah oui, non, gratuitement, je vais bien. S'il faut payer, y'a personne. Ah, s'il faut payer, y'a clairement personne. Mais bon, on revient toujours pas de la douille que j'ai pris. Ah, celle-là, elle a fait très mal. Putain, il m'a manqué 2 dollars. Vas-y, descends. Il y a personne. Ah. Il y a personne dans son salon. Il y a personne. T'es dans le restaurant. Parfois. Il y a personne, mes frères. Allez voir, peut-être sur le bateau, là-bas, etc. Faites le tour, posez les canassons et faites le tour, essayez de les chercher peut-être. Regardez sur le ponton, il y a le bateau, il y a là, le resto, tout ça, les maisons. Tapez aux portes ou quoi, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche? Apparemment Los Diablos. Ils nous ont donné rendez-vous ici. Bah non. Ils vont arriver. Non. Ouais, sans doute. Moi, je vais pisser un coup, moi. Excusez-moi monsieur, on recherche Los Diablos. Ça vous parle? Bienvenido, hermano. Eh hey, bien le bonjour. Ah, vous êtes une des personnes des rendez-vous. D'accord. Très bien. Will Montana, pour dire qui je suis. Rappelez les frères, c'est bon, ils sont là. Arrêtez de chercher à droite et à gauche et sortez du resto, là, peut-être aussi. Allez voir au resto. Ah, ils sont à droite, ils sont là. Ok, ok. On a pris un peu de temps, on a recoupé la tequila, c'est tout ça. Oui, je vous en prie, je vous en prie.
Ah, pas de problème. D'onde está l'espagnol que j'ai discuté avec tout à l'heure? Muerte! Ah si, c'est ça, muerte. Muerte! 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 Oh, il doit avoir la tête dans le cul d'une femme, lui. Tout à l'heure, c'était dans ton culot qu'il avait la tête. Ouais, c'est pas faux. Il aime bien. Muerte! Ah. Appelle Muerte. Je sais pas où il est. Alors du coup, ici, c'est votre village. Si, carrément, c'est le village de los diablos, claro. D'accord, los diablos, très bien. Si. Bon, j'aurais aimé te donner un accueil un petit peu plus chaleureux, mais il y a eu des péripéties comme ça, puis le voilà Blackwater. D'accord, ah, d'accord, c'était vous qui étiez en problématique avec les hommes de loi de Blackwater, d'accord. On peut dire ça comme ça, si, claro. Très bien. Bah là, on va se rentrer dans les saloons, hermano. C'est parce qu'il y avait le gel d'ici, mais la température elle a changé. Hein. Les mecs, c'est tout ce que c'était. Je vous en prie. Bonsoir, messieurs. Voilà. Ah. Bonsoir. Fanny. Si, está bien. Ah, il a encore laissé la fenêtre ouverte. Il y a de la neige partout, putain. Oh, pas bien grave. Non. Vale, señores, tequila de bienvenue. Bah écoutez, avec plaisir, je vais pas vous cacher, monsieur, que je pourrais pas vous rendre l'appareil avec mes frères, parce qu'on vient de se faire dépouiller par la guardia qui nous a fait un contrôle d'identité, donc voilà, on n'a plus rien sur nous, on vient d'arriver. Ah, bordel, déjà, hein. Bah écoutez, au moins c'est à qui on a affaire. Si, voilà, ça annonce la couleur un peu, dis-moi. Super. Voilà, dis-moi, vous êtes arrivé dans le pays depuis combien de temps, Emmanuel? Oh, on est là depuis deux nuits maintenant, on arrive du Montana. Si. Tous hermanos muertes m'ont fait comprendre que vous cherchez un petit peu de travail, les informations de ce pays, comment ça fonctionne un peu? J'ai pas tout compris, mais on veut travailler, oui. C'est ça, il a reformulé, c'est ça. Bien, d'accord. Bon, nosotros los diablos, on possède un trafic de drogue, et j'ai cru comprendre que les minerais, ça vous intéressait pas trop, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Bah écoutez, moi je suis preneur de ce qui paye, et donc si vous me dites que les minerais ça paye, je vous fais une tranchée dans la mine digne de ce nom. Les minerais, effectivement, c'est un truc qui paye. Le seul problème, c'est que les patrons de la mine, ils l'achètent pour de la merde. C'est de l'arnaque. Après, les armuriers de ville, ils l'achètent pour pas mal. Hein. Vraiment, c'est un bon prix. D'accord. Mais c'est long. Tout le processus est long. Il n'y a que le soufre qui est vraiment très rapide. Mais là, il se trouve sur une île des pirates contrôlée par un groupe de bandits. D'accord. C'est vraiment très dangereux s'il y a entouré, c'est sous les eaux de Cuba. L'île qui abrace, il y a Guarma. Ah, Guarma. Oui, on a entendu parler très brièvement de Guarma, mais au niveau de Guarma, justement, comment on y accepte-t-on? Parce qu'on nous a parlé de billets, mais où trouver ces billets? À qui? Tu peux en acheter à qui? Ici? Après, sinon, si, pour les nouveaux groupes et les gens qui sont dans le besoin, on les fait à des prix assez abordables, toi. Très bien, on parle de quel prix, monsieur? Le prix pour un billet, c'est 12,5 $. Alors qu'un billet à l'achat là-bas, c'est 5 $. Donc, d'accord. C'est bon, assez avantageux. Ouais, c'est avantageux, voilà. Mais je vous cache pas que je veux dire, on va devoir économiser pas mal. Parce que, bon. Il ne te conseille pas d'aller à Guarma tout de suite, hermano. Bien sûr. Ah, vous voyez bien, hein, il y a un petit fusil à gibier derrière le dos de mon frère. voilà, on n'est pas là pour faire des pirateries. On est là déjà pour faire connaissance avec les personnes et puis s'installer petit à petit. Et puis aussi, mais mes frères, prenez le relais, moi, t'es quand même là plus à l'aise, j'allais dire au niveau de la langue et tout, n'hésite pas, vas-y mon frère, hein, tu le sais. C'est comme je lui ai expliqué tout à l'heure, je lui disais que nous, on est intéressés par tout ce qui pourrait nous rapporter de la plata, c'est tout. Tout ce que, même on ne parle pas de Guarma directement, mais si vous avez des petites astuces, des petits trucs, on peut payer, bien sûr, vous nous donnez... Des petites échanges de procédés, vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, on est d'accord que le dollares n'est pas une monnaie que vous possédez. Le dollares, non, je n'ai pas connu. Je ne connais même pas le dollar, non. Vous ne savez pas ce que c'est le dollares? Non, monsieur. C'est,
Non, c'est le dollar, le dollar. Ah, les dollars, oui, les billets verts, oui. Non, moi, je parle plus de ce genre de billets, un poquito rojo. Ah, toi. Si, si, non, 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 pas ce genre de billets, non. Vale. Pour la faire courte, hermano, les dorales, c'est une monnaie locale à l'effigie du Rey Fezosa. C'est le patron de l'île qui était là tout à l'heure. D'accord. C'est, oh, il est c'est la monnaie locale, tout se marchand dans dorales. La drogue, les armes, tout peut... Tu peux obtenir avec des dollars, des dollars, tu peux obtenir avec des dollars, des pièces d'or. Toi, là, en fait, tout tourne autour du dollar. D'accord. Tout ce que tu entreprendras comme business, tu obtiendras du dollar. Mais là, certains trucs s'achètent avec des dollars, d'autres avec des pièces d'or, d'autres avec des dollars. Mm-hmm. Nous, à Creative Landing, on peut vendre des tickets, claro, ça c'est ouais, ouais. On peut vendre aussi des minets pour vous avancer la tâche et avoir de la plata plus rapidement, parce que vraiment, le processus est vraiment très long. Ou alors on peut vous vendre directement de la drogue, vous le vendez derrière. Mais après ça, pour la drogue, il faut avoir une première capital, toi. C'est ça. Et puis il faut avoir surtout les connaissances. Je vais vous parler sincèrement, hein, je vais reprendre la parole des petites secondes, mais la drogue, monsieur, pour le moment, je vous dis sincèrement, c'est pas quelque chose sur lequel on compte aller. C'est-à-dire que on n'a pas de prétention à ce niveau-là, monsieur. Vraiment, si nous, c'est plutôt... Vous savez ce qu'on cherche comme information, vraiment? Ça serait de trouver de l'acétone. De l'acétone? Ouais, pour faire une vieille recette de whisky, monsieur. Pour commencer doucement. Dissolvant, non? Tu veux dire? Oui, 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 dissolvant. Je peux pas trouver ça, parce que c'est pas une affaire que j'ai connaissance, mais je connais les personnes qui en font. D'accord. Je connais des distilleurs clandestins, si c'est de l'alcool que tu me parles. Ouais. Un truc de contrebande de ce genre. C'est une petite bande de Françaises qui font ça. D'accord. Je ne sais pas si c'est une info qui se monnaie. En tout cas, ça pourrait les mettre dans la merde. Pour l'instant, je ne vous connais pas. Donc, bien sûr. Sans animosité, hermano, je ne peux pas vous livrer ce genre d'informations. Mais je peux vous assurer que... Hola, Javier, comment est-ce? Bonjour, monsieur. Alors, les shérifs, comment ça s'est passé? Te prends un tequila, amigo. Il va s'en souvenir. Seulement un putain de verre. Claro, allez boire, mon santé, amigo. Hola, Carlos, alors. Hola. Je vais armer ma cabeza. Aïe. Vale. Allez. Señores, vous êtes? Will Montana, et voici mes frères. Enchanté, señores. Du coup, c'est vous le... Le chef de meute, le chef de famille. Ah non, c'est lui, là. Ah, ok, bah, comme vous me demandez... Okay, moi, plan. Je suis... sois un fidèle épée. Ah si, voilà. Claro. En tout cas, hermanos, pour ce que votre affaire de whisky, ou non, c'est l'alcool un peu tipo forto, la distillerie clandestine, on peut avoir de l'information, on peut même vous la donner. Bon, tout ce monnaie, évidemment, hein, vous avez compris. Bien sûr. Par contre, si vous parlez des Français, excusez-moi, moi je vais mettre les pieds dans le plat parce que j'ai pas le temps, j'allais dire de tergiverser, de tortiller du cul. Est-ce qu'on parle du Mont? Si. Très bien. Je vous épargne le, j'allais dire le trajet d'aller leur parler et tout, on a rendez-vous avec eux. Ah, ben super. Très bien. Vous voyez, comme ça, moi je vous fais gagner du temps. En tout cas, je vous remercie. Nous avoir aidé déjà et au moins avoir eu la volonté de diriger vers les bonnes personnes. Bah, étant donné que vous allez contribuer au développement du pays, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'entraider. On n'est pas comme les à se tirer dans les pattes. Nosotros, los mexicanos, après, par contre, je sais pas ce que vous avez vu avec Muerte, mais on s'est pas concerté entre nous. Je suis pas là pour développer qui que ce soit ou quelque compte que ce soit. Non, on n'a pas. S'il y a quelque chose qui paye, on est là. Si ça paye pas, je vous garantis qu'il y aura pas de développement, il y a rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas, comment dire. Des enfants de cœur non plus, quoi. On va rester des bandits, c'est pour ça qu'on n'ouvre pas le coulon non plus. Mmh. Et comme je disais, hermano, si tu habites sur le pays du Mexique, que tu fais de l'argent dessous, la guardia va vous le mettre son nez dedans. C'est ce qui s'est passé par la sauce. Mais il faut pas se laisser faire un poquito de violence envers eux, ils vont comprendre que vous n'êtes pas des enfants de cœur. C'est comme ça qu'il faut faire, faut pas faire comme certains groupes qui ouvrent le coulon directement. Très bien. De toute manière, on est respectueux de tous, que ce soit les forces de l'ordre ou pas. C'est pas dans notre intérêt de nous foutre dans la putain de merde.
Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avancer petit à petit. Comme j'ai dit, celui qui fait un grand pas, ben, des fois, il ne voit pas l'obstacle qu'il y a. Tandis que si on fait des petits pas, on peut contourner cet obstacle. Totalement d'accord. Alors voilà, si vous voulez pas de drogue, sachez qu'on a des minerais. Si vous voulez des tickets à moitié prix, on peut vous en avoir aussi. C'est parfait comme information. Tickets, ouais, c'est très. Ok, bah, allez. Très bien, Muerte, tu seras notre contact avec Los Diablos, s'il te plaît. C'est de façon à pouvoir communiquer plus facilement et j'allais dire plus directement. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, messieurs. Non, pas du tout, au contraire. Très bien. D'ailleurs, cette partie de ma famille, peut-être accompagnée d'un ou de mes deux frères, seront susceptibles justement de traîner par, j'allais dire, par ici, sur le New Austin, etc., pour leurs petites affaires et converser avec vous et compagnie, quoi. Mais au moins, moi, je ne veux pas m'établir sur un comté. Nous sommes des vagabonds. Si le chemin nous mène et le vent nous mène par ici, vous nous verrez tous. Mais c'est vrai qu'on va, on est en phase, j'allais dire, de développement. Et on est en train de tâter le terrain, voilà. Comme à tous les débuts, hermano. Oh, il y a un début à tout, c'est vrai. C'est ça. Et un début d'histoire de partout. Une page s'est tournée dans le Montana, une autre s'ouvre ici, monsieur. D'accord, curieux de savoir ce qu'est la suite. Oh, curieux aussi. Bah, allez. En tout cas... Tu vois un télégramme ? Ouais, c'est ça, ouais, j'aimerais bien avoir... Soit l'un de vos télégrammes, soit je vous laisse le mien. Ça dépendra de... Est-ce que vous disposez de chambres sur TV Landing pour y passer la nuit? Nous avons dans le restaurant des chambres aussi, claro. Très bien. Si vous préférez le côté vagabond, il y a des tentes à l'arrière avec un feu de camp. Oh, on aime bien la nature. Non? Ouais, je pense qu'on va partir là. Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères? Et mes frères sont un peu bavards. Hein. J'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fatigué. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser échanger les télégrammes. Merci de nous avoir reçus, en tout cas, peuple de Los Diablos. Et j'emprunte une de vos tentes juste derrière. Je partirai au petit matin. Pas de problème, amigo. Merci bien. Allez, buenas. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Buenas. Alors. Il va le tuer! Merde, putain! Il peut plus se relever. Si. Ouais, ok. Bon, je vais dormir, je vous dis à demain, mes frères. Allez. Mais je vais voir cette petite histoire de trucs de ferraille et tout, puisqu'on a rencontré. On a quand même rencontré. Ah. Moi je suis d'avis d'essayer de faire un petit forcing là sur la mine, demain. Et de voir un petit peu ce qu'ils nous ont dit, ça pourrait être bien, et leur en faire part, voir avec eux justement, de leur revendre tout ça, etc. Bon, mon cul, la balayette, elle est partie. L'histoire, ça va être de faire ce qu'il y a à faire et de prendre un maximum, ok? Et ensuite, on rapatrie tout ce qu'on a rapatrié au niveau d'un armurier, voir combien il reprend. Allez, à demain, mes frères. Ok, allez, bon. Je suis un arnaqueur de merde. Hop, fais voir. Voilà. Les amis, je vous remercie. N'oubliez pas où vous êtes ici, bordel de merde. Voilà. En tout cas, je vous remercie de ouf du soutien. Demain, on est encore là. Demain soir, je serai pas là parce qu'il y a la France qui joue. Je me sens pas de live après, je vous dis la vérité. Mais on va faire beaucoup, beaucoup de live. Il y a une grosse aventure à mener ensemble avec les TLJ, avec tous ceux qui kiffent, j'allais dire, et la story, LGW, et tout ça. Franchement, ça tue sa race. C'est une histoire de ouf. C'est un film, le truc. Merci beaucoup.